Oh,
la terre toi qui règnes éternellement. Oui, nous savons que tu as fait tout ce qui est sur la terre, ce qui est sur la terre, ce qui est dans les airs. Père, tu as fait tout cela pour ta gloire. Tu as mis le système en place et le système t'honore parce que il obéit à ta voix. Seigneur, celui qui a fait défaut, c'est nous. Et c'est pour cela que tu es venu verser ce sang pour nous réconcilier. Et chaque fois, Seigneur, nous prenons souvenir de cela. Alors ce matin, nous sommes là pour te rendre ce culte agréable. Nous prions que tu nous regardes au travers de sang versé. Que tu pardonnes au manquement et nos erreurs, toutes nos fautes. Et que Seigneur, tes yeux voient le sacrifice. Et que tu nous agrées, Seigneur. Reçois ces cantiques. Reçois tout ce programme. Que tout ce qui n'est pas de toi soit météor. Seigneur, nous sommes venus pour une réalité. Nous sommes venus pour te croiser. Nous sommes venus pour te toucher. Nous sommes venus afin de recevoir de toi ce dont nous avons besoin. Oui, tu as dit ceux qui s'attendent à toi ne seront jamais confus. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas venir et retourner tant que nous sommes venus. Mais nous voulons partir avec une réalité, quelque chose de positif. Accorde-nous cela, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous brisons toute odeur, nous brisons toute pesanteur, nous brisons tous ces yeux de ténèbres, ces atmosphères lugubres. Nous les brisons au nom de Jésus. Mais nous détachons ces liens. Nous prions que toi, tu es la prééminence. Que toi, tu règnes dans nos cœurs. Oh, par ta parole qui viendra, Seigneur, détache-nous, Seigneur. Et Père, permets que nous partions d'ici le cœur rempli de joie et de paix. Oui, parce que tu auras fait quelque chose pour chacun de nous. Si quelqu'un veut pour la première fois, Seigneur, souviens-toi de lui. Oh, Père, qu'il vienne se réconcilier avec la croix. Que tu pardonnes ses faiblesses et manquements. Et que Seigneur, tu ouvres son cœur à ta parole. Et que Seigneur, une goutte de joie puisse couler dans son âme. Accorde-le, Seigneur. Mais si quelqu'un est malade ce matin, la Bible dit, je lui envoie ma parole et ma presse à guérir. Seigneur, qu'il reçoive la guérison par ta parole. Que Seigneur, oh, les blessures payantes, oh, qui t'ont été infligées ce jour-là sur le calvaire. Seigneur, la Bible dit que des laboureurs ont tracé de longs sillons sur ton dos. Et Esaïe dit, c'est par ces maîtres sûrs que nous avons été guéris. Souviens-toi de tout cela, Seigneur. Et qu'il n'y ait pas de maladie qui puisse ressortir ta présence sans solution. Peu importe le cas, que ce cas soit résolu, que ce cas soit comblé, et que tes enfants soient satisfaits, Seigneur. Merci de l'accorder à chacun de tes enfants dans le besoin. Et cela, oh Dieu, leur permettra, oh, d'aiguiser leur confiance en toi, Seigneur. Accorde le Père, souviens-toi ton serviteur, oh, mets l'homme de côté, et que tout ce qui se fera soit de toi pour nous servir, Seigneur. Oui, que tout ce qui n'est pas de toi soit comme carrément mis de côté. Que les pensées humaines soient mises de côté, et que le Saint-Esprit seul puisse avoir la prééminence. Nous plaçons et le prédicateur. Et tous les membres laïcs sous le contrôle total de cet esprit. Et nous neutralisons tout ce qui est contraire au nom de Jésus. Viens, Seigneur, car nous t'appelons sur la scène au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner l'information? Vous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous dis shalom. Shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. 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 Oh, vous avez le shalom du pasteur Lassman. Amen. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Oh, notre frère Dani, qui est allé au Congo pour se marier, est de retour, il peut se lever. Ils sont dehors de leur papa, va lui mettre la porte pour lui. Amen. Je vous prie, le nom du Seigneur soit béni. Il devrait venir avec son épouse, mais pour des questions de papier qui ne sont pas encore tout à fait réglées, elle est restée en arrière. Donc, quand elle sera arrivée, elle va rejoindre son mari. Amen. Amen. On n'était pas au Congo. Si ça s'est passé ici, on allait réagir. Maintenant qu'il est au milieu de nous, apprêtons-nous. Amen. 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 Voyez. Comme on a beaucoup de programmes, je voulais souffler. Mais fin juin, on fait une offrande spéciale pour le mariage de nos frères. Amen. Donc ne dites pas que vous n'êtes pas informé. Ce que Dieu prend pour votre cadeau, hein, tout ça, mettez ça dans l'enveloppe. Amen. 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 Si certains veulent acheter des cadeaux en nature, ça c'est boisson, il n'y a pas de problème. Amen. Mais fin juin, et notez cela, les administrateurs, les capitaux, pour que cela soit fait, parce qu'il s'est marié, mais dès l'arrivée, on doit prouver que nous aussi on l'attendait. Amen. 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 Donc, fin juin, nous faisons notre offrande volontaire pour le mariage de nos frères. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Amen. Nous avons deux enfants à présenter. Notre frère Bakusso. Oui. Son enfant, c'est Bakusso et Soedo Jolo Joseph. Amen. Je crois que Soedo Jolo veut dire Soedo Jolo Joseph. Ça, c'est l'original. Le Dieu avec nous. Amen. Soedo Jolo Joseph. Emmanuel. C'est Allah. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, bonne arrivée, Joseph. Comme vous le savez, nous, on ne baptise pas les bébés. C'est pas biblique. Ça, c'est une doctrine catholique que les gens ont colporté. Le croyant, il présente son enfant au Seigneur. Et quand l'enfant grandit, lui-même, il va prendre son baptême. Jésus a été présenté le 8e jour. C'est Sibéon que Dieu a réservé pour faire la présentation. Et pour son baptême, c'est Jean-Baptiste à 30 ans que Dieu a réservé pour prendre soin de son serviteur. Et ce sont les principes bibliques. Amen. Donc nous allons présenter Emmanuel Joseph Bakusso à notre Seigneur, le consacrer. Dieu Tout-Puissant, c'est un grand privilège que nous avons auprès de toi et de prendre ces merveilles, parce que c'est toi qui en es l'auteur. La
Oh, notre vin a dit, tu donnes les enfants pour mettre la joie dans le foyer. Et Seigneur, nous croyons que la vie d'un enfant est toujours une joie. Père, sachant que ce monde est pourri, le système est corrompu, et c'est très difficile de pouvoir se frayer un chemin sans toi. Je vais placer cet enfant entre tes mains, de le consacrer. Et personne que Père, ce soit le Saint-Esprit qui soit son guide durant son séjour ici-bas. Et ce sera vraiment tarde que le Seigneur y prenne position pour ce glorieux message, qu'il puisse défendre les principes de la Bible et honorer ton Saint-Nom. Garde-le sous ton contrôle, que ta puissante main soit sur lui et que tu feras le chemin, Seigneur. Bénis-le richement, ô Dieu. Bénis tout vêtement qui touchera son corps, bénis toute nourriture, toute eau, boisson, qu'il voilà, que tout cela passe par le filtre du sang. Père, que les onctions bizarres soient brisées au nom du Seigneur, et que l'onction du Saint-Esprit puisse l'environner. Laisse qu'il puisse croire dans ta crainte et dans ta grâce. Accorde-le, Seigneur, alors que je te le confie maintenant. Je le consacre à toi et pour ton œuvre, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, nous avons l'enfant de notre responsable technique, Ange Brou, que nous devons présenter également au Seigneur. Brou, Marie, Grâce, Esther. Alors, j'invite vos parents à venir avec l'enfant. Alléluia. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Oui, c'est une grande joie pour nous que de délire des merveilles. Ton serviteur David pouvait dire, quand j'étais une masse informe et vide, tes yeux étaient sur moi. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de ce que tu as permis à tes enfants d'avoir cette merveille, pour adoucir leur foyer. Père, ce n'est pas facile pour les hommes et encore moins pour les femmes dans ce monde pervers. C'est pourquoi je place ta fille sous ton contrôle total. Seigneur, garde-la contre toutes les séductions de ce monde. Quand Satan se lèvera, que ton esprit se lève comme un étendard pour la protéger, pour la préserver et pour la conduire dans ta voie. Oui, comme cela l'indique Marie Esther, Seigneur, laisse que ces héros qui ont pris position pour toi dans les Saintes Écritures, en restant fidèles et en prenant position pour ta parole, que ces noms puissent t'influencer. Afin que Seigneur, elle puisse, oh Dieu, être la comme Esther, oui, être la comme Marie, qui a dit qu'il le soit fait selon ta parole. Accorde le Seigneur. Qu'elle puisse craindre ta grâce et de ta crainte. Si tu as la table, qu'elle soit une pilier dans ta maison, Seigneur. Oui, du servant comme les femmes le faisaient dans la Bible. Accorde le Seigneur. Protège-la. Bénis tout ce qu'elle mangera, tout ce qu'elle boira, tout ce qui touchera son corps, que cela passe par le sang de l'agneau. Et que toutes les influences se soient prises ici. Toutes les puissances des ténèbres soient neutralisées ici. Au nom de Jésus, que ton ange soit constamment sauvé. Conduis-la, Seigneur, humblement, je la place sous ton contrôle.
Je te la consacre pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mon frère Caleb, ça va? Tout va bien? Ok. Alors, tu vas me prendre ce cantique. Tenter, éprouver. Ça, ça là-bas. Tenter, éprouver, nous nous demandons pourquoi il en est toujours ainsi. Tandis qu'il y en a d'autres autour de nous qui font le mal et qui s'en sortent. Amen. Amen. À certaines personnes, il n'est pas permis de faire quelque chose de faux. Tu reçois un pardon, un coda sur ta tête. Mais d'autres sont prospérés dans le mal. Amen. Mais il y a toujours une raison à tout. Amen. Tentez et prouvez. Non, de Oh.
Seigneur, permets que nos yeux soient ouverts sur les empreintes laissées sur les tables du temps, pour que nous ne cherchions pas d'autres voies, mais que nous restions sur les anciens sentiers. Alors nous sommes sûrs que ce chemin mène à la gloire, et que nous croyons, alors nous irons aussi dans la gloire. Oh, peu importe les coups, peu importe tout ce qui arrivera, cela ne nous affectera pas, parce que nous sommes certains de notre destinée. Béni soit-tu, Seigneur.
Or, ce matin, pas de plus, nous voulons placer la parole que nous allons lire. Et, oh Dieu, les explications que nous allons entendre entre tes mains. Toi seul as les mots justes. Toi seul as le contexte juste. Toi seul as ce qu'il faut pour nous introduire dans ton Saint-Sanctuaire. Alors, nous voulons que tu viennes, tu mettes l'homme de côté et que tu prennes l'auditoire sous ton contrôle absolu. Et que Seigneur, tu nous bénisses. Bénis-nous par la lecture de ta parole et bénis-nous par tes explications. Accorde-nous vraiment au d'avoir l'entendement sain et que nous sortons d'ici différents. Accorde-le Seigneur, car je le demande humblement au nom de Jésus la parole. Amen. Amen. Vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous êtes en place? Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, ce ne sera pas une prédication comme habituellement. Amen. On va commencer par une petite expérience. Bien, allons dehors pour que ceux qui sont en place par ceux qui sont dehors. Oui, je suis à vous. Il n'y a rien de compliqué. Bien. J'ai deux bouteilles, deux jolies bouteilles. C'est ça, non? Je dis, j'ai deux jolies bouteilles. Ouais. Mon frère, je te sers dans quelle bouteille? Hey. Je te sers dans quelle bouteille? Mais t'as une drame après. Et décède à quel bout d'air? Qu'est-ce que tu vois à toute la semaine? Est-ce que tu as reçu le nom de la route? Quoi? C'est de l'eau? C'est ça. C'est pour boire. Donc tu veux? Mais c'est pour boire. Je te sers pour boire. Donc tu veux ça là? Bon, je veux pas la question. C'est quel bout d'air vous aimeriez qu'on vous serve l'eau dedans? Ça. Non, non, c'est pas là. Propre là. Ah, c'est dans ça que vous serve l'eau. D'accord? J'ai compris. Bien. Mais monsieur, tu drames. J'ai deux bouteilles et j'ai de l'eau. Je dois vous servir à boire. C'est dans quelle bouteille vous aimeriez que je vous serve à boire? C'est ça, Moulin? Non. C'est ça que vous voulez? Oui. Ok, j'ai compris. Viens là-bas. Bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va prendre le billet. Et je vous dirai pourquoi j'ai fait ceci. Voyez, cette expérience m'a été inspirée par ma conversation avec le pasteur Lasme la semaine. On a passé plus d'une heure de temps au téléphone. Il parlait d'un autre thème aussi qui l'a inspiré, marcher avec le surnaturel. Et vous voyez, le prêtre a dit, il a dit ça dans l'ordre de l'Église, je crois, paragraphe 154, 155. Vous voyez, quand il était allé à l'Église
voyez, Marble Church. Voyez, il a vu comment l'ordre se faisait là-bas. Et il a dit, quand tu vas quelque part acheter des biens, tu dois l'appliquer. Amen. Alors, de cette conversation, cela m'a inspiré l'expérience. Amen. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Prenons dans Jérémie 8. On va lire beaucoup. Jérémie 8. Verset 19 au verset 22. Et après, on prend le 9. On continue jusqu'au verset 8. Voici les cris de la fille de mon peuple rédemptif sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leur image taillée, par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne se fait-elle pas? On continue. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerai mon peuple, je m'en éloignerai, car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté à méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres et ne disent pas la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'il refuse de me connaître, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai, je les éprouverai. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un très meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, et au fond du cœur, ils le dressent des pièges. Alléluia. Revenons dans Jérémie 2. On va lire beaucoup avant de commencer. Allons au verset 11, Jérémie 2. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source de vie, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On continue. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison?
Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lions se réjouissent, poussent leurs cris, et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées. Il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Nof et de Tachpanèse te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie. Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Verset 21, maintenant pour verset 26. Je t'avais planté comme une vie excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vie étrangère? Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Comment diras-tu, je ne me suis point suivi, je ne suis point allé après les Baals, regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait, dromadaire à la course légère et vagabonde, à l'aise sauvage, habitué au désert, à l'étendre dans l'ardeur de sa passion. Qui l'empêchera de satisfaire son désir? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Il la trouve pendant son mois. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain, non? Car j'aime les dieux étrangers, je veux aller après eux. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leur roi, leur chef, leur sacrateur et leur prophète. Alléluia. Amen. Allons dans Jérémie 3, 22. Jérémie 3, 22. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Père, trois fois saint, ces paroles font trembler nos cœurs. Et Seigneur, oh, cela fait frémir, oh, tout nos sens. Mais nous croyons que c'est auprès de toi seul que nous avons tout ce dont nous voulons, tout ce dont nous pouvons et la restauration entière. C'est pourquoi ce matin, je prie que oh, tu baisses nos oreilles, tu baisses notre conscience, tu baisses notre âme et que Seigneur, quelque chose soit fait à l'égard de tout ceci pour que nous soyons exactement ce que tu veux que nous soyons. Béni sois-tu Seigneur, je remets la parole qui a été lue en tes mains. Alors nous attendons pour la suite. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon sujet, ça se rapporte à l'expérience que je viens de faire. Quelle vase présentez-vous aujourd'hui au Seigneur pour son service? Amen. Et mon sous-thème, c'est pourquoi la délivrance ne se fait-elle pas? Quelle vase présentons-nous aujourd'hui au Seigneur pour son service? Unanimement, vous avez refusé de boire dans la bouteille que vous trouvez sale. Laissez-moi vous dire que ces deux bouteilles représentent l'Église, les fidèles, depuis la tête jusqu'au dernier pas. C'est nous qui sommes symbolisés par ces deux bouteilles.
Vous n'avez pas regardé l'apparence extérieure, ni l'apparence intérieure. Mais dès lors que vous avez vu que c'est sale, vous ne vous êtes pas pour la question si l'intérieur est propre ou pas. Parce que la vie d'un, c'est déjà sale. Et de l'autre côté, ça paraît pur. Alors, tout le monde veut boire dans ce qui est pur. Alors, mon sujet, pourquoi nous nous présentons nous-mêmes qui sommes des vases et que nous voulons que Dieu nous utilise, pourquoi nous venons à Dieu étant des vases souillés de toutes sortes de manières? Comment voulons-nous que Dieu nous prête? Comment voulons-nous avoir les bénédictions? Comment voulons-nous avoir la délivrance si nous refusons de nettoyer nos cœurs, notre corps, notre esprit, selon la parole? Pourtant, nous voulons constamment dans sa présence et on veut qu'il nous remplisse. Dieu n'est pas un insensé. Amen. Vous-même, vous avez refusé que je mette de l'eau dans la bouteille sale pour vous donner. Là, vous devez boire. C'est pas vrai? Amen. Vous avez refusé que je mette de l'eau dans la bouteille sale. Et vous voulez que Dieu mette son esprit dans un vase souillé? Vous voulez que Dieu attrape un vase souillé pour l'envoyer? Pourquoi tant de sécheresse? Nous crions, il n'y a pas de satisfaction. Nous crions et les gens tardent. Et nous ne nous posons pas la question pourquoi? Amen. Il dit, Dieu, soyez étonnés. Est-ce que les païens changent leur Dieu? Qui ne sont pas des dieux, est-ce qu'ils les changent? Mais pourquoi ceux qui sont intelligents changent leur Dieu? On échange Dieu avec le monde. On échange Dieu avec les traditions. On échange Dieu avec toutes sortes de choses. Et on laisse Dieu. Est-ce que nos parents, depuis qu'on les connaît, changent leur Dieu? Amen. Il dit, Dieu, soyez étonné de ça. Donc, ce matin, on va réfléchir à nous-mêmes. Pourquoi nous n'avons pas de victoire? Même venir à l'église, certains ont peur. Adorer devient fardeau pour certains. C'est pourquoi l'heure de prière, l'église est clairsemée. Comme dans une savane, elle puise. Semi-désert. Pourtant, nous faisons tout le possible pour satisfaire le diable, pour satisfaire César. Mais à César et Dieu, qui nous donnera la vraie récompense? On est prêt à sacrifier le programme de Dieu pour César. On ne veut pas faire des sacrifices pour Dieu, mais on va tous les sacrifices. On est prêt à se priver de sommeil. On est prêt à veiller. On est prêt à faire des heures supres pour César, mais on n'est pas prêt à faire une heure de temps dans la maison de Dieu. Quand on arrive, on dort. On est prêt à prendre notre temps pour faire la lessive. On est prêt à s'affaire notre mari fixe, mais on n'est pas prêt à s'engager dans un programme profond avec Dieu. Et nous voulons la délivrance. Nous voulons la guérison. Nous voulons le Saint-Esprit. Est-ce que Dieu a été présenté? Le thème de l'année, vous n'oubliez pas, c'est marcher avec le surnaturel. Donc pour cela, il faut qu'on aille dans la profondeur. Amen. Amen.
il faut que nous allions dans les profondeurs, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tu mens? Je pose la question, est-ce que tu mens? Si Dieu ne ment pas, et qu'on ne voit pas ce qu'il a dit, c'est qu'il y a un problème. Tout ce qui est dit, tout ce qui est promis comme devant arriver dans l'église locale, il faut qu'on puisse les voir. Si on ne les voit pas, Dieu n'est pas responsable. La responsabilité incombe à chacun de nous. Et au pasteur, au prédicateur, au diacre et aux membres laïcs. C'est partout qu'il y a des blocages. Dieu est prêt à accomplir sa parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pourquoi il y a très peu de baptême de l'esprit? Pourquoi on prie pour des gens? Il n'y a pas de solution. Pourquoi on crie à Dieu et ça tarde? Pourquoi la vie ne s'améliore pas? Où sont les promesses de l'épouse aujourd'hui dans l'église? Où est-ce qu'on voit la manifestation de ces choses? Et ça ne nous préoccupe pas qu'il y a des écritures qui nous concernent, qui doivent s'accomplir et on ne les voit pas, ça ne dit absolument rien. Soit nous ne sommes pas ceux qui sont censés accomplir cela, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le programme. Soit nous sommes des gens légers et Dieu ne peut pas traiter tant que nous restons légers. Amen. Amen. Quelque chose doit être fait. On vit notre vie normale. Tu n'es pas appelé à vivre ta vie normale. Israël est-il un esclave acheté? Amen. Amen. Es-tu acheté? As-tu été pris quelque part pour être quelque part? Frère, réfléchis. Ce matin, chacun de nous doit réfléchir. Amen. Amen. Voyez, le prêtre dit que nous ne travaillons pas assez sur le destin éternel. Voyez, il dit que nous ne travaillons pas assez. Laisse-moi vous lire ça. Sur notre destin éternel. On ne travaille pas assez sur ça. Voyez, frère, réfléchissons. Réfléchissons sérieusement. Quelque chose doit être fait quelque part. Quelque chose doit être fait quelque part. Dans l'esprit des saints de l'église, là-dessus. Il dit, on passe trop peu de temps à travailler pour la récompense éternelle de Dieu. Voyez, les récompenses de Dieu sont prises avec trop de légèreté. On passe très peu de temps à travailler pour la récompense éternelle. C'est-à-dire qu'on prend trop de légèreté. Tout ce qui concerne Dieu et son programme, on le traite avec des pincettes. C'est-à-dire qu'on vient pour remplir un rang. Si on ne vient pas, on m'a dit que je ne suis pas chrétien. Donc il faut que je vienne. Mais ta présence est égale à ton absence. Parce que tu n'adores pas. Tu ne viens pas dans les adorations. Dans les vies, tu n'adores pas. Et tu es là inerte comme un poids mort. L'adoration n'est pas réservée à une quatre de personnes. Un croyant est fait pour adorer. Amen. Amen. Tu sors. Et l'adoration ne se limite pas à l'église. Notre vie doit être une vie d'adoration. Quand tu as rempli ta religion, c'est fini. On n'est pas des catholiques. Dieu ne fait pas sortir l'église des autres églises
pour qu'on soit confus. Non. Si tu es confus, tu es rempli de confusion. Mais la promesse de Joël 2, que Dieu restaure, il dit, mon peuple ne sera plus jamais. Dieu dit, mon peuple ne sera plus jamais de la confusion. Ça, c'est après la restauration. Si tu es encore confus, confuse, tu n'es pas restauré. Tu es encore dans les choses, frère. Voyez, il dit, on passe trop peu de temps à travailler pour les récompenses éternelles. Et les récompenses éternelles de Dieu sont prises avec beaucoup de légèreté par les croyants. Trop peu de temps à travailler pour les récompenses éternelles. Dites-moi, dans quoi vas-tu te reposer demain? Car les paupières vont se fermer, la bouche quelqu'un doit fermer sa ta place. Dans quoi vas-tu te reposer demain? Si tu avais été un vase utile aujourd'hui, si tu avais été un vase utile aujourd'hui, dans quoi te reposeras-tu demain? Amen. Amen. Ce matin, c'est quelle vase nous présentons à Dieu? Que présentons-nous à Dieu ce matin pour l'adoration? Que présentons-nous à Dieu ce matin pour son service? Est-ce que le Saint-Esprit ce matin peut prendre quelqu'un? Dieu peut proclamer sa part par lui ou par elle? Est-ce que Dieu peut manifester donc ce matin au dernier vase? Sois-nous consacrés, sois-nous nettoyés, sois-nous lavés, sois-nous disposés. Ce bouteille s'est échappé de nous. Amen. Amen. Le premier message du Saint-Esprit, c'est répands-toi. La première doctrine, c'est la nouvelle naissance. Et ça, c'est négligé aujourd'hui. Voyez, c'est négligé. Amen. On n'a pas vu ce terme. Et puis, on va arriver à décembre et il n'y a pas de changement. On va arriver à décembre, il n'y a pas de témoignage, rien. Ce thème, quand on entend ça, marcher sur naturel, ça doit s'inspirer à chaque coup. Amen. 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 Donc, je veux qu'on réfléchisse ce matin. On est maintenant les mystères, c'est bien. Amen. Amen. Mais on ne donne pas le mystère à un bébé. Alléluia. La savoir biblique, c'est creuser, creuser, creuser jusqu'à tout le roc avant de bâtir une maison. On ne pose pas un toit en or sur une maison sans fondation. Amen. Creusons. Construis. Que le toit en or, la maison peut supporter. Amen. Parce que la fondation aurait été placée sur le rocher. La prédication, c'est d'envoyer d'abord de la profondeur. Être sûr de ton expérience. Alors, c'est par là que l'adoration commence. Amen. Parce que l'Écriture dit, personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire l'enseignement qu'on entend. Ce n'est pas dire la lecture qu'on lit. Mais c'est par une expérience que tu connais Jésus. Et tu veux témoigner qu'il est vraiment le Christ. Amen. C'est ça qui te donne la victoire. Il faut connaître celui avec qui tu traites.
Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen, frère. Tout commence par la repentance. Regardez l'ordonnance éternelle qu'a adressé notre frère, l'apôtre Pierre. Enfin, que ferez-vous pour être sauvé? D'abord que chacun de vous reconnaisse que c'est Jésus qui a été crucifié, qui a fait de lui Seigneur et Christ. Amen. Alors répandez-vous et soyez baptisés en son nom. Or, en ce temps-là, reconnaître que Jésus est Seigneur et Christ, ça équivaut à la mort. Amen. Répandez-vous. C'est là le vrai problème. Bram dit, je ne crois pas à la repentance avec les yeux secs. Quel genre de repentance avons-nous fait quand on a ce message-là? Amen. Est-ce que nous avons regretté amèrement notre ancienne condition? Amen. Ce matin, je prêche. Comme si nous tous là, on vient d'arriver. Amen. Parce que pourquoi la condition de la fille de mon père ne change pas? Amen. 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 Il n'y a qu'une raison. Il n'y a qu'une raison à cela. Quand nous sommes venus, avant d'entrer dans le jour du matin, est-ce que nous sommes réellement repentis comme je devais? Amen. Nous sommes venus des dénominations avec beaucoup de choses. On est sortis du fétichisme avec beaucoup de choses. On est sortis des traditions avec beaucoup de choses. On est sortis du monde de l'Égypte avec beaucoup de choses. Amen. Amen. Est-ce que le pont est coupé vraiment derrière nous? Amen. 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 C'est Dieu qui te prend dans le poulailler. C'est vrai. Il te prend dans le poulailler. Mais est-ce que quand tu sors du poulailler, tu es propre? Faut pas te dire, il m'a pris dans le poulailler, donc alors tout c'est fini. Non. Le problème c'est quoi? On sort avec un zèle qui est un feu qui normalement va nous aider à nous débrouiller. Mais par moment, on ne va pas jusqu'au bout du processus. C'est celle, alors, comme on est entouré de frères, de soeurs et de la communauté, on pense que ça s'arrête là. Mais plus tard, ça nous attend. Quand tu empruntes un pont, la seule manière de ne pas faire demi-tour, c'est de détruire le pont derrière toi. Il faut casser le pont. Parce que tu n'as pas le temps matériel pour refaire le pont, c'est pas toi qui as fait ce pont-là. De tout ce pont. Tu ne, même si tu le voudrais, tu n'as aucune possibilité de retourner en arrière sur tes pas. Pourquoi? Le chemin de tout est barré et détruit. Nous laissons toujours de petites brèches, des échappatoires. Qui, ah, si je veux que ce n'est pas comme ça, je peux revenir. Et c'est ces petites brèches-là qui, au finish, nous rattrapent. Amen. Amen. La repentance, c'est un nettoyage. Voyez, que le nom du Seigneur béni. On sort, on sort, on sort. C'est vrai, on est sorti. J'avais prêché il y a un peu longtemps un message sur la traversée du désert ou le temps de l'épreuve. Chacun aura son désert. Chacun aura son génie. Parce que Dieu veut être sûr qu'on a confiance en lui. Quel feu sorti par son bras, c'est un miracle. Mais on n'a rien à voir dedans. Amen. Mais il veut se rassurer que nous croyons en lui et peu importe les épreuves, on restera fidèle.
C'est pourquoi il a dit à Moïse, ne passe pas par ce chemin. Amen. Parce que Cana, c'est un terme de combat. Alors il faut qu'il fasse l'apprentissage dans le désert. Dès le tour dans le désert, frère, les épreuves, c'est Dieu qui l'a prédestiné pour ses enfants. Amen. Et la Bible dit, tout ce qui arrive, tu peux surmonter ça. Amen. Rien ne peut arriver qui te soit insurmontable. Dis-moi, ce péché-là m'a surpris, il est deux fois. Aucun péché ne peut être deux fois pour un croyant, alors que nous sommes sur le saint parfait. Amen. Amen. Quand il y a des épreuves, c'est l'occasion que Dieu nous donne pour avoir la victoire. Ça, c'est le prophète. Maintenant, Dieu te donne l'occasion d'avoir la victoire par les épreuves. Or, c'est là que nous faillissons. C'est là que nous tombons. Pourquoi? Parce que le nettoyage n'est pas bien propre dès le commencement. Bram dit, quand on sort l'homme de l'eau, après on doit faire sortir l'eau de l'homme. Quand nous sommes sortis du monde, le second travail à faire, c'est de travailler à ce que tout ce qui est du monde sorte de nous. Amen. C'est ce travail qui n'est pas parfait et qui nous handicape dans la marche. Amen. Tu t'es fait du bon. Amen. Tu es venu. Le démon s'est calmé. Tu es content. Amen. Mais ça, ça n'est pas là. Il faut que ça, la race soit brûlée. Toi-même, tu es conscient que les deux enfants, tu convoites. C'est qu'il y a rien qui ne va pas. L'Écriture dit quoi? Celui qui est né de Dieu en a fini le péché. Qui croit cela? Ah, on dit on croit cela. Mais pourquoi les anciens maîtres là nous tournent autour et puis on succombe? Quelqu'un est menteur quelque part. Et qui est menteur? Qui est menteur? C'est l'Écriture? Celui qui est né de nous ne pêche pas. Pourtant, toi tu tombes tous les jours. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a problème. Amen. Aujourd'hui, on va lire beaucoup. Amen. On va lire beaucoup. D'abord, écoutons les prophètes. Alléluia. Alléluia. Comment que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. L'Écriture dit ici. Dans, écoutez-le. Du 11 au 656, je prends vers le bas. Il dit dans l'Ancien Testament, quand les batteurs battent l'or, quand on trouvait de l'or qui avait beaucoup de pyrites, c'est l'or du fou. Il brille. Il brille en fait plus que l'or véritable. Et cela a de la poudre et tout. Mais le batteur battait sur l'or. Et le moyen pour lui de savoir que l'or était débarrassé de toutes ses saletés, c'est qu'il voyait son reflet là-dedans, comme dans un miroir poli. Il bat cela, et il bat cela, et il bat jusqu'à ce qu'il vit son propre reflet. C'est ce que le Saint-Esprit essaie de faire à l'Église. C'est de la battre, la retourner et la battre jusqu'à ce que Christ se reflète dans son Église aux yeux des gens pour voir sa résurrection. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il cherche à prendre des gens pour faire sortir le monde d'eux à force de les battre. Amen. Amen.
Mais c'est ce que les frères et les soeurs ne supportent pas. Comment Dieu va faire ce travail-là? Mais c'est au contact avec les épreuves. Amen. Amen. Il dit, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il cherche à prendre des gens pour faire sortir le monde de Dieu à force de les pas. Le diable devient cela là-dedans. Le diable va encore toujours. Mais Dieu va te battre parce que il peut maintenant s'installer. Et le Saint-Esprit, si seulement vous vous tenez tranquille et que vous le laissez faire, il battra votre vie jusqu'à ce que la paix d'amour de Christ se reflète dans votre vie. Amen. Restez tranquille. Amen. Supportez la chose. Amen. Regardez à Christ. Amen. Videz-vous totalement. Amen. Laissez-le ôter ça de vous. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voyez. L'idée vient dans l'affaire de délivrance de la part de Dieu tirée à l'aide d'un acte du 1er août 56, paragraphe 24. Eh bien, je ne veux pas que vous fâchiez contre moi. Je suis votre frère. Et Dieu me fera répondre devant vous au jour du jugement. C'est vrai. Et tout le monde parle de gautisme. Si les gens se relâchent, vous ne faites pas cela. Restez fidèles à Dieu. Priez beaucoup. Menez une vie correcte. Associez-vous avec Dieu et avec son peuple. Et quittez ces choses mondaines et impies dont la Bible parle. Je vais lire ces choses mondaines et impies dont la Bible parle. Et quittez-les. Donc, vous connaissez. Donc, je fais la station et je vous lis tous ces choses-là. Le Saint-Esprit appelle les gens à sortir. Peu importe ce que fait votre voisine et combien elle est bonne, ce que fait cet ami, ne vous associez pas avec cette incrédulité. Ça sautera droit sur vous. Amen. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous à Dieu et je vous accueillerai. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle c'est très difficile d'avoir une réunion sous tente. C'est la raison pour laquelle il est très difficile d'avoir une réunion de n'importe quel genre. Parce que nous laissons tomber ces choses. Nous devrions avoir une véritable réunion ici. Certainement, nous devrions en avoir une avec des supra-gens. Et vous, les prédicateurs, si vous ne leur dites pas cela, que Dieu ait pitié de vos âmes pécheresses. Il y a des gens qui clochent. Et vous devez faire sortir le monde avant que Christ n'acte. Il ne s'associera simplement pas avec les crédités et les gens du monde. Donc la responsabilité vient sur nous. Et si nous, on ne vous dit pas les choses correctement, alors que Dieu ait pitié de nous. On va faire sortir le monde avant que Christ fasse son entrée. Amen. 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 Bien. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, il dit ceci. Dans Shalom, il dit 9 janvier 64, paragraphe 583. Il dit parfois, il faut des épreuves pour que nous soyons libérés des liens du monde. Il faut quoi? Donc, ça ne vient pas facilement. Par quel moyen? Tu aimes telle chose, tu aimes la boisson, tu aimes ceci, tu aimes la légèreté, tu te plains, tu vas seulement te présenter. Mais il faut des épreuves. Il faut que la paix te choque. Il faut que Dieu envoie des situations. Amen. Mais c'est quand Dieu fait une situation, c'est là qu'on vient et puis alors on passe à reculer. Là, il faut des épreuves pour que Dieu fasse sortir le monde de nous. Non, ça veut dire ça là, il faut que ça soit confronté à quelque chose. Parfois, deux frères vont te choquer pour que les mauvais comportements sortent. Mais si tu es dans ton moi, tu vas aller dans ton moi, tu seras un poids sec. Chacun doit se mettre en cause.
Pourquoi on fait un chant? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un pour amortir un chant? Amen. Parfois, il faut des épreuves pour que nous soyons libérés des liens du monde. Pour faire sortir du monde, il faut des épreuves. Peut-être qu'il faut d'abord vous faire sortir de votre ghetto. Ça veut dire, si tu ne peux pas rester dans Maria, vous enlevez Maria. Amen. Aujourd'hui, quand on parle, c'est amusement. Mais le temps vient, les gens vont regretter. On n'adore pas Dieu par complaisance. On n'adore pas Dieu par famille. On adore Dieu par révélation. Amen. Et peut-être parfois Dieu doit te faire sortir de la révélation. Sortir de système. Et maintenant, faire sortir le système de toi. Parce que tu as grandi dans un environnement. Ça t'a donné une nature. Avec, tu as des esprits. Mais Dieu te fait sortir d'abord de là. Maintenant, ces esprits que tu prends ça comme normal. Il faut que maintenant, au fur et à mesure, Dieu puisse te confronter à la réalité. Et alors c'est par là que tu te rends compte que ça c'est pas normal, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal. Et au fur et à mesure, c'est pas normal, on prête sur ce projet à ça. Amen. Ça vient par des confrontations. Amen. Amen. Il peut être qu'il faut d'abord vous faire sortir votre credo. C'est comme un homme qui se noie dans une rivière. Il vous faut le faire sortir de la rivière avant de faire sortir la rivière de lui. C'est à peu près ainsi que Dieu doit des fois agir. Il les laisse parfois vous chasser. Ensuite, on fait sortir le monde de vous. On doit vous faire sortir du monde d'abord. Parfois, ce sont des douleurs de croissance qui font cela. Amen. On ne sort pas de ce règlement normal facilement. Amen. Dieu va toucher quelque chose là-bas. Et puis, ça commence à te peindre. Il commence à ouvrir tes yeux. Tu n'as jamais pu avoir du temps normal. Mais Dieu t'envoie écouter une parole. Il t'envoie à lire une brochure. Il t'envoie à lire la Bible. Et puis, tu vois que ça, ce n'est pas normal. Si un homme ou une femme va par la Bible, que ce qui n'est pas normal, et qu'il accepte ça, c'est que lui-même est faux. Demain, à la fin du jugement, tu n'as pas dit à Dieu, non, c'est mon église, non, c'est mon papa. Toi-même, tu seras condamné. N'as-tu pas vu? N'as-tu pas vu? Ne t'as pas montré ceci? Si tu es témoin là, c'est pas du fait de pouvoir monter. Tu vas périr avec ta relation. Tu vas périr avec tes parents. Tu vas périr avec tes traditions. Ce sont des douleurs de croissance qui vont te faire sortir de là. Amen. 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 C'est pas dans les âges. Quand les gens voient la réalité au péril de leur vie, alors ils sortent. Si toi tu veux la privilège de ce monde, ça te regarde. Mais tu vas mourir, ton âme va souffrir à l'hiver. Mais tu as vu la vérité. Tu sais que c'est fort, tu fais de l'affaire. Frère, il faut que les Écritures s'accomplissent. Ce qui est dit de toi, si ça n'arrive pas à ta vie, il y a un problème avec toi et de l'adoration. Dieu te jugera. La promesse, c'est la promesse. Et la prophétie doit s'accomplir. Si tu ne travailles pas sur la chose éternelle, pour la règle réelle, et que tu passes ton temps à t'amuser, tu passes ton temps à présenter, parce que les dons, ou la vie, ou la meilleure de ce qu'il va le faire, il le fera. Mais toi, tu le racontes. Alléluia. Quelle phase tu présentes à Dieu pour son adoration. Amen. Oh, oh, Dieu. Oh, Dieu. Quelle phase. Alléluia. Quelle phase. Quand tu dis à Dieu, me voici, prends-moi. Dieu, comment? Il te fait comment? Toi-même à tes propres yeux. Est-ce que tu es présentable? Est-ce que tu es manipulable? Comment veux-tu que Dieu, le Dieu trois fois saint, puisse utiliser un homme jugé sans passer par les voyages? Amen. Vous savez rester dans vos cités. Tu n'as rien à faire avec ça. Si tu ne veux pas te plier à ces exigences, tu resteras un poids sec.
Amen. Amen. On doit vous faire sortir du monde d'abord. Parfois, ce sont des douleurs, c'est un peu de croissance qui font cela. Amen. Amen. Oh. Vous voyez? C'est vrai que je l'ai dit. Parfois, ce sont des douleurs de croissance. Mais est-ce que quand ça se passe là, la douleur, c'est que ce sont des douleurs de croissance? Mais à un moment donné, quelque chose part à son cœur. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Alors, ça le pousse à l'action. Mais dis donc, là, c'est faux. Mais j'ai deux ans comme ça, c'est ton affaire. Tu vas aller devant Dieu. Là, j'ai deux ans comme ça. Amen. 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 Si c'était le cas, les pharisiens seraient justifiés. Ils ont la loi. Amen. Mais la loi sur personne. Quand Jésus est venu, il dit c'est de moi que l'Écriture a parlé. Amen. Amen. Donc il a voulu un système pour remettre un nouveau système. Amen. Est-ce que c'est un double de croissance? La naissance se fait dans des moments, dans les douleurs, vous les femmes. Vous devez comprendre mieux ça. Amen. Vous qui avez mis des enfants au monde, vous ne pouvez pas mettre des enfants au monde à rien. Amen. Parfois, voilà. Un mois, des contractions, bien peu, vous souffrez. Vous n'avez pas vous coucher ici. Vous n'avez pas fait ceci. Manger, c'est difficile. Donc, il faut plus du premier jusqu'au 9e mois. Donc, je ne peux pas se donner de vous. On les fait coucher. Elles vont rester alitées jusqu'à l'accouchement de l'enfant. Donc, aucune naissance ne peut se faire avec les yeux secs. Amen. Moi, à deux reprises, j'ai été à la maternité pour mes premiers enfants. J'appelle des cris. Amen. Des cris effroyables. Tu ne peux pas être qui. Je prie seulement, je bats, je vais à la porte, je reviens. Parce qu'une femme qui a un travail, elle est entre la vie et la mort. Amen. Ta femme est entre la vie et la mort. Amen. Ton enfant est entre la vie et la mort. Amen. Et quand tu entends ces cris, tu ne peux pas rester tranquille. Amen. 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 C'est pas quand quelqu'un est dans la douleur pour sa naissance, Dieu est attentif. C'est un processus normal. Et Dieu ne fera rien jusqu'à ce que tu ne te débattes pour sortir. Amen. Nous n'en pas un pour ça sur sa coquille. Amen. Chacun va passer par cette douleur de naissance. Amen. Dis-moi, je suis né. Tu as eu quelle douleur? Tu as quelle expérience? Et tu es né. Et 10 ans après, tu recules à ce que tu as vomi. Problème. L'écriture ne dit pas ça. Amen. L'écriture ne dit pas ça. Amen. Richieux, frère étonné. Père, frère Missé. Est-ce que les païens renoncent à leur Dieu? Je ne suis pas de Dieu, mais pourquoi mon peuple renonce à moi pour s'attacher à mes idoles? Ce que on a connu comme vrai, ce que on a vu comme vrai, pourquoi on laisse la vérité? Et plus on est là dans les passions, dans les choses qui sont mauvaises. Voyez, laissez-moi vous lire ce que la Bible dit. Parce que le Père a dit, la Bible a dit, on a sorti ces choses-là. Alors, qui sont quelques écritures de la Bible? Commençons par Galates 5. Prenez vos Bibles, lisez avec moi. Galates 5, je vais commencer au verset 13, jusqu'au verset 26. Après 2 Corinthiens 12, 20, Romains 1, du verset 26 à 32, 1 Corinthiens 6, 9, 10. Écoutez, ça va nous donner un ensemble des choses. Frère, vous avez été appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous montez
et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, si tu accomplis les désirs de la chair, ça veut dire que tu ne marches pas par l'esprit. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous sommes d'accord? Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Bien. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. En ordre, l'impudicité. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il n'y a pas à l'effort pour toutes ces personnes-là. Il faut dire amen. Amen. Je continue. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est la Bible. Amen. Amen. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. 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 Dans 2 Corinthiens 10, 20, il dit, je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, de tout. Donc tout ça, c'est les œuvres de la chair. Romains 1, à partir du verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Voyez, les lesbiennes, les homosexuels, tout ça, ce sont des œuvres de démons. Un chrétien, chrétien aujourd'hui, ne doit pas porter envie à ça. Ne doit pas aller regarder ses bêtises. Quand tu regardes, tu as oui. Si tu ne le fais pas, tu as l'esprit de lesbienne. Tu as l'esprit de homosexuel. Je continue. Et de même les hommes. C'est pour ça que l'église formaliste veut changer la Bible. Le pape dit que c'est une erreur de la Bible que Dieu est de tous les sodomites. Ça, c'est l'antichrist qui parle. Amen. Parce qu'il veut changer la parole de Dieu, mais ça ne marchera pas. Au moment où vous devez la Bible, en ce moment-là, la Bible sera sur deux pieds. Amen. C'est maintenant qu'il faut préparer cela. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. Un homme qui n'est pas femme, qui est homme, c'est un démon. Aucun démon, quand la Bible dit ce qu'il faut savoir au ciel, c'est pas un pape qui a changé ça. Amen. C'est pas un acharné pasteur qui a changé ça. Aucun démon n'ira au ciel. Le ciel n'est pas pour les démons. Amen. De même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qu'ils méritent, que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu,
ils arrivaient à leur sens réprouvé pour commettre des choses intimes, étant rempli de tout aspect d'injustice, de méchanceté, de cupidité. C'est la vérité de l'argent. Ce que l'argent passe pas devant eux là, c'est un démon. Ça, tu l'as dans ça, tu vas la faire. Elles ont suivi. Amen. Elles ont suivi. Amen. On ne doit pas escamer l'argent. Amen. Je cite, même l'a dit, la Bible dit. Donc, on doit voir ce que la Bible dit. Et puis on continue. Voyez. Et dans la petite espèce de justice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de validité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents. Hein? Qui ont les dedans? Mais les enfants qui ne coûtent pas à la maison, les filles qui ne coûtent pas, c'est dedans. Tu es rebelle à ton papa, ta maman, tu vas conseiller. C'est pas moi qui le dis, hein? On a fait de lire. C'est le ciel pas pour les rebelles. Il n'y a pas de jeune ici. Amen. Dites amen. Amen. Vous n'écoutez pas vos parents, rebelles à vos parents, il n'y a pas de ciel pour vous. Amen. On n'est pas là pour d'orienter. Non, tu as le message. Tu as le message, tu vas appliquer le message. Amen. Parce que c'est, on a lu une citation, on dit, la Bible dit. Maintenant, qu'est-ce que la Bible a dit? On a train de lire. Amen. Amen. Alléluia. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Des gens qui ne pardonnent jamais. Il n'y a pas de ciel pour toi. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, des grandis de mort. Ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils savent ceux qui le font. Et tout ce qu'on a cité, la Bible dit, le jugement de Dieu, ceux qui font ça, ils sont carrément cassés de la mort. Maintenant, si toi, tu approuves ceux qui ont des comportements comme ça, toi aussi tu es dedans. Amen. Non seulement ils connaissent ce que tu as dit, mais aussi ils sont dignes de mort, mais ils s'approuvent. Donc tu approuves ça, tu es dedans. Un frère fait le mal. Et puis, comme tu ne t'accordes pas avec l'autre, tu as poussé au mal, toi tu maudis. Une soeur, il n'agit pas la même soeur. Ce n'est pas ta camarade, tu as poussé à tu maudit. Le jugement de Dieu qui condamne de mort tous ceux qui sont dans ça. C'est la Bible qui le dit. Des gens qui ne pardonnent jamais. 1 Corinthiens 6, 9 et 10. Écoutez bien, c'est ici qu'il tire la conclusion. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume? Hein? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc, papa, quand on a cité tout ça, c'est pas que j'ai mis ça en position. On sait ça pas que c'est petit, c'est petit, c'est petit. Mais la Bible dit, tous ceux qui ont ça ne vont pas au ciel. Dites amen. Or, si tu as rempli de ces choses-là, comment Dieu va t'utiliser? Il est temps de faire sortir le monde de nous. Jeunes gens, jeunes filles, sortez de la friture. L'église de Dieu n'est pas une église de poubelle. Des femmes ne sont pas des vases de poubelle. Où on va mettre toutes les insalités du monde. Débrouillez-vous. Nettoyez-vous. Ce matin, il doit y avoir une vraie repentance, un vrai nettoyage. Pourquoi la guérison ne s'opère-t-elle pas?
N'y a-t-il pas de verset dans le camp? Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas venu de nous? Mais pourquoi la guérison ne se perdait pas? C'est parce que les vases ne sont pas propres. Dieu ne peut pas l'utiliser. Nos vies ne sont pas réglées. Dieu ne peut pas faire ça. Vous-même, vous avez pris votre propre témoignage. Tout à l'heure, vous avez refusé de boire de l'eau dans un vase qui n'est pas propre. Donc, votre témoignage de ce matin va contre vous. Si vous restez dans la pureté, si vous ne devenez pas vos vases, et donc vous êtes appelé de Dieu, demandez à Dieu, rappelez-moi, baptise-moi, il va te donner vos côtés. Ce que toi tu me parles, comment tu veux que Dieu le même fasse pour toi? Ce que tu refuses, qui ici accepte de manger dans une vase poubelle? Personne. Parce que j'ai fait exprès. Amen. Amen. J'ai fait exprès. C'est bon, c'est vous, c'est moi. L'eau qui peut le remplir, c'est Dieu. Qui veut le remplir son esprit. Pourquoi vous utiliser? Parce que Abraham dit, quand on est sanctifié, alors on est prêt pour le service. Alors on doit être rempli d'eau ou de lait ou de limonade. Et c'est ça la mise en service. Et c'est Dieu qui remplit pour la mise en service. Mais il voulait présenter un vase propre. Nos vies doivent être dégagées. On doit faire sortir le monde de nous. Et le monde, c'est tout ce que nous disons là. Frère, sortez de cette pornographie. Sortez de la masturbation. Amen. Alléluia. Sortez de la masturbation. Amen. J'ai passé le filtre, sortez de là. Amen. Dieu ne peut pas t'utiliser. C'est la colère qui n'en finit pas. J'ai des citations. On va avancer. Le Saint-Esprit est réel. Frère. Le Saint-Esprit est réel. Amen. C'est pas n'importe quoi. Amen. 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 Voyez. Dans le droit du Sénat, du 16h750, paragraphe 67, il a dit ceci. Il dit, permettez-moi de vous dire autre chose. Le Saint-Esprit est un produit authentique. Amen. Dites amen. Amen. Vous êtes bien fatigué. Aujourd'hui, chacun doit nettoyer sa vie. Amen. Demain, c'est la totale. On prend l'adoration au sérieux. Sans le vouloir, on fait comme les femmes, les filles du monde. C'est ma vie. C'est ma vie. Tu as quelle vie? Dis-moi, tu as quelle vie? Tu nies le rachat? Quand on rachète un objet, l'objet appartient au propriétaire qui l'a racheté. L'objet ne dit pas, moi je suis libre. Tu es libre comment? Nous sommes libres de la limite de l'autorisation du propriétaire. Quand on est esclave du diable, on faisait ce qui est mauvais. Maintenant, on est esclave de la parole, on doit faire ce que la parole dit. Amen. Notre liberté, c'est de la parole. Amen. Mais on ne peut pas retourner sous l'ancien maître. Si tu es libre, c'est à l'égard du péché que tu es libre. Si tu ne sais pas ce que c'est que péché, c'est ce que je vais décider là. Les pensées adultères, les actes adultères, des soeurs qui ne peuvent pas être tranquilles, leurs yeux se prennent pour ces garçons. Et elles ne crient pas païens, chrétiens, peu importe. Les gars qui sont bien habillés, les gars avoir un joli, voyez, visage, un peu d'argent. Un poteau, alors vous êtes en danger.
Votre temps n'est pas fait pour ça. Votre temps va être réservé jusqu'à votre mariage. Tu souffres ton corps, Dieu va te frapper. C'est vrai, c'est parfait, c'est pareil pour les hommes. Tu n'as pas le droit de toucher la fille d'une personne mariée. Tu n'as pas le droit de toucher la fille d'une personne qui soit mariée. Tu fais cela, tu vas payer cash. Amen. Amen. L'esprit qu'on réclame là, comment on appelle ça? Hein? On appelle ça comment? Saint Esprit. Hein? C'est un esprit qui est. Quand Dieu parle sur l'esprit, il donne un qualificatif. Esprit Saint ou Saint Esprit. L'esprit que tu réclames là, il a un qualificatif. Il est saint. Dieu est saint. La maison de Dieu doit être une maison de sainteté. Le vase dans lequel Dieu doit remplir le Saint-Esprit entre dans un vase sanctifié. Tu dis Esprit Saint. Et tu veux que quelqu'un doit trouver une vie dérangée, une vie de désordre, une vie de prostitution. Quelque part, il lui dit, est-ce que tu veux provoquer sa jalousie? Tu es plus fort que lui. Tu es plus fort que lui. Frère, réfléchis un peu. Comment tu peux appeler le Saint-Esprit dans un vase sué? Ça ne te fait pas quelque chose? Sors de là d'abord. Amen. Quel est Dieu pour sortir de là? Amen. Quand tu as sorti de là, tu n'as pas besoin de lui vient. Lui-même il vient. Amen. Parce que l'Écriture dit, si tu t'es répandu, alors le Saint-Esprit viendra de lui-même. Amen. Le Saint-Esprit cherche des vases sanctifiés. Amen. Si tu t'es répandu sincèrement, il descend lui-même. Amen. Tu n'as pas besoin de l'appeler. Amen. 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 Donc, connais ton pas cet esprit. Mais connaît et sa maison était en ordre. Au moment où la parole venait, Dieu est descendu dans ses vases. Pourquoi? Ils étaient en ordre. Il ne fait pas de désordre. Quand une vie est consacrée, sanctifiée, Dieu descend. Devant le fait cher l'honneur, il descend. Lui-même, il descend. Dieu ne descend pas de beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'on sorte de sa production. Amen. Amen. Mais savez-vous, le problème de l'église aujourd'hui, elle a besoin d'un bon réveil de l'ancien temps à l'ancien Paul et d'un enseignement biblique du Saint-Esprit là-dessus une fois de plus. Voyez, il faut le feu, voyez, descendu du ciel pour nettoyer. Amen. Prends la verge et convoque l'assemblée du 27-850, paragraphe 22. Il dit peut-être que certains, parmi ces pauvres, ils avaient des situations. Ils avaient abandonné l'ail et les oignons pour manger la nourriture des anges. Aujourd'hui, c'est ça, le message de l'heure. Amen. Et ils s'en plaignaient. Ils ont abandonné ce qu'ils mangeaient à l'Égypte, étaient esclaves, pour être avec les rachetés. Pour manger une ou deux nouvelles et ça ne les suffit pas, s'il te plaît. Ils avaient abandonné les eaux coureuses
de Jésus pour toi à la fontaine de la vie. Et il s'en plaignait. On est dans l'église, où on est dans le message, et on se plaint encore. Ils avaient abandonné les médecins orgueilleux de Jésus pour être avec le cœur versé et ils s'en plaignaient. On préfère le médecin de Jésus. Mais Dieu dit ma guérison, mais où je ne t'en rien, je vais aller, on se plaint toujours. On avait parfois, contre ça, cette maladie, non, il faut que j'aille voir le spécialiste. C'est-à-dire, on t'a dit, tu es capable. On se plaint. On ne croit pas à la délivrance que Dieu peut opérer. Pourtant, c'est ce Dieu qui l'a fait sortir de l'Égypte. Quand tu sortais des choses de ce monde-là, tu disais qu'il y a fort et puissant. Mais parce qu'une maladie t'a frappé depuis peut-être quelques mois, alors tu commences à te plaindre. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Tu pries comment? Parfois, tu restes dans ce pouvoir. Ils avaient abandonné les médecins orgueils de l'Égypte pour être avec le grand médecin. Et ils s'en plaignaient. Ils avaient abandonné un groupe de gens qui croient que la vie des grâces sont passées pour être avec un groupe qui croit que tout est possible. Et ils s'en plaignaient. Oh, Branham. Voyez. N'est-ce pas exactement l'église aujourd'hui? Ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont sortis du monde. De ceci pour entrer dans cette glorieuse église du Dieu vivant. Les bien-aimés. Et à cause de petites épreuves que nous connaissons, Dieu nous a demandé de croire et de tenir ferme. Nous nous en plaignons toujours. On dit, oh, je fais partie de l'épouse. Je suis les élus. Car si on prêche aujourd'hui, nous sommes tous les élus. Donc, oh, 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 nous sommes les Christ vivants. Wow. Mais, à cause des épreuves que nous subissons, on se plaint. On n'est plus faible. On ne croit pas que la démon va avoir lieu. On ne croit pas que c'est la seule la bonne solution. On ne croit pas que Dieu donne travail. On ne croit pas que Dieu touche les cœurs. On ne croit pas que Dieu délivre. Que Dieu guérit. Que Dieu restaure le foyer. On ne croit pas cela. Pourtant, nous sommes sortis de l'Égypte pour être avec le groupe des premiers-nés qui ont le privilège. Et on se plaint avec. À cause des difficultés, on se plaint. C'est pas moi qui le dis, je veux que lire le prophète. Voyez, c'est la cause de l'église. Et à cause des petites épreuves que nous connaissons, Dieu nous a demandé de croire et de tenir ferme. Nous nous en plaignons toujours. Eh bien, remarquez autre chose qu'ils avaient faite. Ils avaient abandonné là derrière des gens qui n'avaient pas de signe pour vivre sous la colonne de feu et une nuée. Et ils s'en plaignaient. Ils ont quitté l'Égypte là où il n'y avait pas de signe. Et ils étaient sous la colonne de nuée. Dans les problèmes, ils voient la colonne de nuée qui se déplace pour aller combattre pour eux. Pour ralentir les adversaires. Pour combattre les féticheurs. Ceux qui leur font parler. Il voit cela, il voit des songes. Oh Dieu a fait ça pour moi. Il voit ceci de la vie, vie normale. Oh, j'étais dans cette situation, tu m'as sorti de là. Mais demain, une situation arrive et puis commence à se plaindre. Pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais le Dieu qui combattait pour toi, dis-moi. Le Dieu qui t'a pas guéri, et dis-moi. Le Dieu qui t'a encore soutenu dans une situation quelconque, est mort. Mais pourquoi cette plainte? Pourquoi cette manque de foi et de conviction réelle? Voyez, c'est le secret qu'ils faisaient. Ils ont vu, eux-mêmes, leur témoignage. Ils voient la nuit de gloire, la nuit, la gloire de feu. La journée, ils voient un nuage qui les suit.
quand Pharaon avait venu, ils ont vu cette colonne de feu se déplacer et crier au pédale de côté et arriver chez eux. Ils ont vu ça. Ils ont vu. Jusqu'à ce que la Génie dit, mais leur Dieu combat pour eux. Amen. Et ils sont là devant la mer rouge. Il dit, Moïse, n'y a-t-il pas de tombeau en Égypte? N'y a-t-il pas de nom de cocon? On leur promet un pays qui sera à eux. Et pour les esclaves, ils puissent manger poisson crié. À cause de Garba, il y a des frères et des soeurs qui vendent leur âme au diable. Il y a des gens qui sortent, ils se laissent toucher, voyez, par tous ces boutiquiers, pour un sac de riz, pour un pot de yaourt. Bonne à vous! Amen! 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 Alléluia! Vous voyez que c'est faux? Si tu dois mourir de faim, meurs de faim. Amen. Si tu es qui t'a fait sortir du monde, ne peux pas te nourrir, meurs de faim. Amen. Tu auras pas de résurrection. Amen. Avant de votre vote, vous vendez votre droit de naissance au diable. Ils avaient abandonné la dernière des gens qui n'avaient pas de signes pour vivre sur la colonne de feu et de nuit. Et ils s'en plaignaient. Il n'est pas étonnant que leur approvisionnement en eau ait été coupé. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Il y a trop de murmures au sujet des choses, des plaintes. Soyez satisfaits et continuez d'avancer, de vous attendre. Le problème de l'Église, il y a trop de murmures de l'Église. Ils ne sont pas satisfaits des choses. Le pasteur, moi le frère, la soeur, l'ancien, des plaintes et des plaintes. On va dans le chaos avec ça. Y a-t-il un Dieu dans le camp? Amen. Dieu n'est-il pas Dieu dans le camp? Amen. Cette situation va vers Dieu. Amen. Les plaintes coupent l'approvisionnement. Des choses viendront. Amen. On fait comme si on n'a pas pu se coûter bien lui pour se faire de l'ennemi. Il dit comme il est facile pour les gens, quelle situation arrive, de se détourner facilement. Que l'Église se lève contre vous, on va s'améliorer. On oublie que c'est Dieu qui permet ça. On a lu Branham, mais on ne veut pas appliquer Branham. Pourquoi le pasteur m'a dit ça? Pourquoi le pasteur a fait ça? On s'en plaint. On oublie ce qui est écrit. Le frère là, ça je ne l'ai plus. Non, ça je. Lui là, je l'ai classé. Classe le fils de Dieu. Le ciel te classera aussi. Frère, tout le monde de l'église. Qu'il y a une petite chose. Il y a tout le monde sur des choses, des plaintes. Soyez satisfaits. Et continuez d'avancer. Amen. Dieu satisfait d'avancer. On oublie de prier chez nous pour résoudre un problème. On veut prendre nos bouches. On veut former des clans. On veut participer à ceci, à cela. Ça, ce n'est pas l'église vivante. Dans n'importe quelle situation, pour résoudre un problème, c'est pas la prière. Amen. 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 Et quand l'approvisionnement en eau a été coupé, Dieu leur a demandé d'aller parler aux gens. Et qui donnait ses eaux. Eh bien, ce soir, tout ce que vous avez à faire, c'est parler aux gens et il donnera son eau. Amen. Et si vous êtes en bon terme avec nous ce soir, amen. Amen. Si vous êtes en bon terme avec nous ce soir, parlez aussi. Amen. Si tu n'es pas en bon terme, tu as malheur de venir, c'est pas la répentance sincère. Amen. Si tu es en bon terme, Dieu doit te parler. Amen. Amen. Si tu n'es pas en bon terme, réponds-toi. Amen. Dis, quand
quand il y a problème, on doit parler au rocher. C'est pas ça le message? Est-ce qu'il y a une nuit dedans? Est-ce qu'il y a plein de dedans? Quand ça ne va pas, tu dois parler au rocher. Le problème, on ne sait plus où se trouve la route de ce rocher. Nos maisons sont devenues plates. Plus d'atelier de la prière. Plus d'hôtel de prière. Plus de tribunal du Seigneur. Donc, papa ne sait pas comment parler au rocher. Maman ne sait pas comment parler au rocher. Les enfants ne parlent pas. Le rocher, c'est vraiment ça. Le rocher, c'est le Facebook. Le rocher, c'est le Seigneur. C'est le rocher, c'est le TikTok. TikTok, il y a d'autres encore. On dit Snapchat. C'est ça, non? C'est ça, non? Hein? Voici le rocher aujourd'hui. Voici le rocher des hommes et des femmes. Il passe plus de temps, tu vois ça, qu'avec le Seigneur. Amen. Tu risques un problème avec ça. Hein? Oh, pasteur, ça ne va pas. Mon enfant comme ça. Mais va vers le rocher. Amen. On dit il est le maître des esprits. Amen. Il est le maître des esprits. Mais tu le veux d'aller dans le rocher. Et tu veux que quelque chose se passe. Comment ça se passe? Il dit si la source d'approvisionnement on est coupé, par le rocher. Va vers le rocher. Si tu as de bon temps avec lui. Si tu es un vase souillé, ce matin, répands-toi. Frère, on a tous besoin de repentance. Parce que la promesse ne peut pas rester inaccomplie dans l'église. On veut voir ce que Abraham a dit. Amen. Je veux la voir. Amen. Moi, je veux la voir. Amen. Je veux rentrer à moi-même. Amen. Toi aussi, si ça ne brûle pas dans ton cœur de voir la manifestation du surnaturel, c'est que tu as un problème avec toi-même. Amen. Tu ne termines pas. Oui. Tu, dans un service, n'aime pas avoir les avantages. Il travaille les avantages. C'est pas vrai? Amen. Vous qui travaillez, c'est pas pour les avantages, et davantage. Amen. Pourquoi vous tuez-vous? C'est pour avoir la reconnaissance. Changement catégoriel, élévation, changement de poste, réparation salariale. C'est pas pour avoir de meilleur salaire que cela. Est-ce que ça se voit au ciel? Dieu, on consacre très peu de temps pour les choses éternelles. Il n'y a plus d'agonie de la prière. Des frères et sœurs ne sont plus engagés à prier pour un changement de l'église. Pour une plus véritable de l'église. Même quand ils viennent prier, ils préfèrent aller à l'expulsion. Ne font rien. Mais ils ne prendront jamais une heure de temps pour les intercéder. Ils sont à la maison, bavardage, dormi, bavardage, dormi. Ils prendront la joie, ils ne prendront jamais une heure de temps pour la maison de Dieu pour intercéder. Ça, c'est réservé pour une personne, pour deux personnes. Frère, vous pouvez vous disqualifier pour le royaume. Frère, le message là, si ceux qui ont reçu le message avant nous étaient des paresseux, la vie serait arrêtée avant le début des âges. Mais ils ont pris position au péril de leur vie. Ils ont sacrifié des temps pour que la colonne de feu continue sa marche. Dieu a besoin de vases ce matin. Amen. Dieu a besoin de femmes et de sœurs ce matin. Amen. Qui sont prêts à se laisser déployer. Amen. Qui sont prêts à laisser la vie impie. Qui sont prêts à sortir de l'immoralité. Qui sont prêts à sortir de l'impudicité. Qui sont prêts à vomir ces choses. Amen. À dire, Seigneur, me voici. J'adore. Amen. Ôtez la colère. Bram dit, la colère vient du diable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le vrai dit ici, la rue de Lazare, il dit, il est temps de mettre cette affaire dehors et de reprendre à nouveau
quelqu'un qui a été en contact avec Christ, oui monsieur, il est temps de nettoyer les vases et de reprendre à nouveau avec le Seigneur. Amen. Amen. Tu t'es toujours changé. Il faut te décharger. Ce matin, décharge-toi. Amen. Amen. Si tu n'as pas de signe qui t'accompagne, c'est que la problème de ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il continue toujours. Dieu a prouvé à la guérison pour cette génération. Du 1954 à la 16. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. L'approvisionnement en eau est coupé à cause des murmures et des doutes. Des murmures et des doutes. Si vous allez dans un désert, vous trouverez que chaque buisson auquel vous vous butez portera peut-être des épines et des piquants parce qu'il a poussé dans une terre aride sans eau. Prenez le même genre de buisson, plantez-le en un lieu humide, dans un terrain humide. Il sera doux parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et si vous prenez une église qui est toujours là à se quereller, à se disputer sur les jours des miracles qui seraient passés, souvenez-vous ça, ils sont dans le désert et sans eau. Et une église qui est mâle, humble, souple, sensible, et qui s'accroche, qui s'accorde avec la parole de Dieu, souvenez-vous, ils vivent à côté de la fontaine qui ne tarit jamais. Amen. Donc chacun doit regarder sa propre vie. Si tu es de plein, si un peu souvent tu es bon, tu n'es jamais satisfait, alors tu es sans eau, tu es sec. Viens à la fontaine ce matin. Amen. Reçois beaucoup d'humidité. Amen. 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 Dieu a pourvu à tout pour chacun de nous. Amen. 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 Sortons de la tête, entrons dans le cœur. Amen. La mentalité doit être ôtée. Regarde près d'ici. Dans laisser échapper la pression. Paragraphe 18. Du 18-62. Dis même les chrétiens, cela les dérange. Voyez, certains d'entre eux complètement sous pression. Ils vous remparent toute une accumulation d'assez de tempérament colérique, comme s'ils exploseraient. Quel est le problème? Quelque chose cloche. Ça ne devrait pas être le cas. Le tempérament colérique vient de Satan. Hein? Il dit quoi? J'ai rien entendu. Répétant très fort. Le tempérament colérique vient de Satan. Le tempérament colérique vient de Satan. Si un peu seulement tu te mets sur tes bombes, il dit il y a problème. Il dit quelque chose cloche. Puis ça ne devrait pas être le cas. Le tempérament colérique vient de Satan. Alors, Blanc dit on doit se débarrasser de ça. Amen. Amen. Lui-même, il était colérique avant. C'était la nature de ses parents qui lui avait été transmis. C'est un démon. Amen. Amen. Vous voyez, il dit, qu'est-ce qui l'a amené à comprendre qu'il n'était plus de ce groupe-là? Prenons question réponse numéro 4. Du 3 du 8h64 soir. Amen. Amen. Après, on va aller plus dans l'esprit. Je commence après le paragraphe 94. Il dit, adoucissez votre tempérament par la prière. Amen. Par quoi? Amen. Toujours sous vos pommes. Hein? Une fois, il y a un frère
m'a dit, voyez, comme ça, sa femme papatait trop. Il dit, bon, je l'ai calmé. Comment? Hein? Il a envoyé un coup pour sa bouche pour la calmer. Il a giflé sa femme sur la bouche pour la calmer. Ça ne va pas se faire ainsi. Donc, ça fait toi-même, tu n'es pas tempérant. Et la seule manière dont tu peux calmer une femme, c'est la gifler sur la bouche. On dit, je l'ai calmé. Tu ne l'as pas calmé. Amen. Tu as accompli le vœu du démon qui est en toi. Le tempérament colérique vient du diable. Tu ne peux pas supporter. Il y a un démon qui est en toi. Il y a un démon qui te fatigue. Le problème, les gens ne connaissent pas les esprits qui les influencent. Comment elles sortent de là? Quand quelque chose va contre la parole, c'est un démon. Reconnais que tu adores. Ça, c'est un démon. Alors, crie à Dieu, Seigneur, je ne veux pas de cette nature. Les gens sont orgueilleux. Et puis, ça ne dit rien. On ne peut pas parler à quelqu'un. Quand tu veux lui parler, il te prend. C'est un démon. Reconnais que c'est un démon. Et Dieu va ôter ça de toi. Adoucissez votre tempérament par la prière. Puis décidez-vous là-dessus. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens dans ce bâtiment qui aient un tempérament plus gris que celui que j'avais au début. Abraham prend son cas. Je ne pense pas qu'ici il y a quelque chose plus gris que moi avant que j'ai le Saint-Esprit. Oui. Oh, j'avais tout le temps la bouche en bouillie. Parce qu'il ne peut pas se maîtriser. Or, il n'avait pas assez de force. Donc, on le frappe. Ma mère, comme vous le savez, était à moitié indienne. Et mon père était irlandais. Un irlandais de Kentucky en plus. Et chacun, et tous les deux, avaient un tempérament suffisamment colérique pour pouvoir actionner une ciguëlle. Maman colérique, papa colérique. Il met au monde des enfants colériques. Amen. Et sans cesse, ma bouche était en bouillie. Premièrement, j'étais petit. Et il me soulevait simplement et me terrassait. Et je me relevais. Et il me terrassait de nouveau. Jusqu'à ce que je n'étais plus capable. Incapable de me relever une fois de plus. C'était toujours ainsi. Et puis, lorsque je pouvais me relever, je me relevais, il me terrassait encore. C'est exactement cette manière que ça se passait avec moi. Je me disais que je ne pourrais jamais devenir un chrétien. Mais lorsque le Saint-Esprit entra dans ma vie, c'était fini. Amen. Donc, Branham même se dit, si la chose est vraiment là, il peut pas être chrétien. Or, toi, tu as ça et tu ne vois pas chrétien. C'est ça, tu m'amènes. Tu es colérique et puis tu ne vois pas chrétien, mais chrétien. Tu es fâché, tu casses tout dans la maison là. Tu prends gros bâton. Ce que tu prends pour plier ton foutu. Tu prends pour pousser tes enfants. Tu oublies que si ça l'a touché, toi-même tu vas en prison et lui il va au cimetière. Mais tellement tu es connu, tu prends ça. Ça prend les ancêtres là-bas. Ça prend le frigo là-bas. Ça prend tout ce qui est dans la maison là. Ça casse. Et puis le démon s'appelle, je t'ai raté. Tu n'es pas chrétien. Amen. Branham, ton modèle, quand il avait cela, il se dit, mais est-ce que je peux être chrétien? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne pour ôter cela. Si tu as le Saint-Esprit, ta tombe sera tout. Amen. Amen. Une fois, j'ai rencontré une femme. J'étais allé couper la fourniture du courant électrique. Et en ce temps-là, j'avais des cheveux sur la tête. Elle dit, toi, espèce de petit idiot échevelé. Je lui répondis, je dis, femme, vous ne devriez pas me cultiver comme cela. Et ne criez-vous pas Dieu? Elle dit, toi, espèce de petit idiot échevelé. Si j'avais besoin que quelqu'un me parle de ces choses-là, je ne prendrais pas un abruti comme toi. Voilà là.
puis elle m'accapla de suite grossière, grossière là-bas. Si cela était arrivé un an avant, ben c'est un an après qu'il a choisi d'esprit que ça s'est passé. Il dit, si cela était arrivé un an avant, amen, je disais toujours qu'un homme qui frappait une femme n'était pas assez homme pour frapper un homme. Mais j'aurais violé cette loi cette fois-là. Mais c'est de quelle nature il s'agit? D'une nature mortelle. Amen. Il dit, je disais qu'un homme qui frappe une femme, il n'est pas assez homme pour frapper un homme. Mais d'ici, c'est arrivé un an avant, j'aurais violé cette loi. Amen. Amen. C'est-à-dire que cette nature mortelle te conduit à agir comme le bon. Amen. Voyez, j'aurais violé cette loi cette fois-là. Car elle a insulté ma mère comme cela. Mais vous savez quoi? Cela ne m'a même pas affecté. Hein? Malgré ce qu'elle a dit, avant tu as juste sa mère, tu as eu pour toi. Mais cette fois-ci, on insulte maman ou tout ça. Et cela ne m'a même pas affecté. Cela ne m'a même pas affecté. Examine-toi. Quand quelqu'un te parle mal, ça t'affecte, mais ça ne t'affecte pas. Quand quelqu'un te vêtit, te dit des choses sales, ça t'affecte, mais ça ne t'affecte pas. Il va insulter ta femme, il va insulter sa femme, il va insulter ton mari. Est-ce que ça t'affectera ou pas? C'est le test. Amen. Ni un an plus tôt. Le rejet, ce n'est pas pareil. Amen. 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 Ce qui a fait que Moïse n'est pas rentré physiquement dans la terre promise, c'est la colère. On le sait. Amen. Or, le prophète était dans ses mêmes traces. Amen. Il était dans ses mêmes traces. Alors, pour ne pas tomber dans ça, Dieu l'a averti. Dieu l'a averti. Amen. Et quand cet homme, ce jeune homme, il a qualifié de poli, Dieu lui a montré la vision. Oh, il a mis les bornes là où se trouve sa maison. Amen. Il lui pose la question, la thèse. Dans le songe, mais la vision, il a pris la bien côté. Et puis après, il a dit, je n'en fais pas, je suis pas forcément toi. L'ange est venu. Il a dit, quand cela va arriver, ne fais pas ça. Sache que le terme pour toi d'aller à l'ouest. Amen. Parce qu'il fait ça, le coup du message va changer. Amen. Donc la colère vient du diable. Amen. Mais vous savez quoi? Cela ne m'a même pas affecté. Je dis, je prierai pour vous. Cela ne m'a jamais dérangé. J'ai su alors que quelque chose m'était arrivé. Oui, monsieur, voilà. Il dit, cela ne m'a même pas dérangé. Il dit, alors il a su que réellement il avait cet esprit. Frère, si ton ami vient te dire n'importe quoi, est-ce que tu vas rester doux? Tu as dit, frère, c'est pas grave. Tu as dit ça? Madame, on est dans l'église? Amen. Vous ne répondez pas. Amen. Mais est-ce que Brad a réfléchi? C'est. Parce qu'il a reçu une nouvelle nature. Le Saint-Esprit te donne la nature de Dieu. Amen. La mentalité et les choses du monde sont déjà parties. Tu ne peux plus réagir comme avant. Amen. Jésus, on l'a frappé, il n'a pas réagi. On l'a insulté, il n'a pas réagi. Amen. Il m'a dit, comment tu peux accepter que les gens disent de telles choses de vous? Ils ont dit ça de lui. Ce n'est pas leur faute. Ils ont reçu une nouvelle notion. Amen. C'est ça. C'est ça qui doit arriver là, frère. Ce qui doit arriver là. Amen. Les querelles vont quitter. N'oubliez pas ce que 1 Corinthiens 6 dit. Tous ceux qui ont ces choses, mensonges, vol, colère, animosité, impureté, impudicité, idolâtrie, toutes ces choses-là n'hériteront pas le royaume. N'hériteront pas. Donc, prenez ça au sérieux. Amen. Dieu ne peut pas l'utiliser. Alléluia. Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Sortons de là. Sortons. Ayons une parole sincère. Amen. 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 Voyez, si on est négligent, on est paresseux, il n'y a pas de mort pour nous. Vous pensez sérieusement? Vous pensez sérieusement? Écoutez le prophète. La foi qui a été transposée une fois pour toutes, Braga 84, 29, 11, 53. Mais le problème, c'est que notre paresse ne peut pas satisfaire à l'exigence de la foi de Dieu. Dites amen. 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 Dieu ne juge pas un homme avant de l'avoir d'abord averti. C'est avertissement plus jugement. Du 24-7-63, Braga 189-190. Écoutez bien, je prends vers le bas. Les choses, il les prend à la légère, plutôt que de considérer cela vraiment en profondeur et avec sincérité. Dis, oh Dieu, accorde-nous de nous examiner ce soir. Accorde-le, sachant que ces grandes choses sont seulement pour nous avertir de l'enlèvement imminent de l'Église. Et si nous sommes chargés de péché, d'incrédulité et de paresse, nous ne prendrons pas part à cet enlèvement. Hein? Vous ne répondez pas. Amen. Si tu es paresseux, tu ne vas pas dans l'enlèvement. Donc c'est très sérieux, mes amis. Si on est chargé de paresse, il n'y a pas allègement. On est léger, il n'y a pas allègement. Frère, donc c'est très sérieux. On va pourquoi? Vivons-nous. C'est de sa prière de parler. Il dit, accorde que nous nous examinons ce soir. Accorde-nous de nous examiner ce soir. Accorde-le. Sachant que ces choses, ces grandes choses sont seulement pour nous avertir de l'enlèvement éminent de l'Église. Et si nous sommes chargés de péché, on a cité quelques-uns, d'incrédulité et de paresse, nous ne prendrons pas part à ce dernièrement. Nous savons cela, Seigneur. Ainsi, nous prions de faire brûler le feu du Saint-Esprit au fond de nos cœurs. S'il y a ces choses en nous, on ne prendra pas part à l'enlèvement. Il dit ainsi, oh Dieu, fais brûler le feu du Saint-Esprit dans nos cœurs pour détruire cela. Frère, c'est sérieux. La légèreté, la négligence, ça c'est la Odyssée. C'est l'esprit de la Odyssée. La distraction. On est beaucoup distrait et on veut se distraire. On n'a pas assez de temps pour des choses sérieuses. L'enlèvement, c'est pour les gens qui sont déterminés. Amen. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, on n'a pas à paresser, frère. Tu es paresseux. Il dit, paresseux, observe la fourmi. La fourmi n'a pas de chef, mais travaille et ne manque jamais. On n'a jamais vu des fourmis mourir de faim. Ils préparent leur nourriture quand il fait chaud. Quand il pleut et qu'à l'hiver, ils mangent. Ils se multiplient. Leur produit augmente. Amen. Mais c'est toi qui calcules. Parce que tu ne prépares rien. Tu prends les choses à la légère. Tu prends les choses sacrées. Les récompenses éternelles, ça ne te dit rien. Dieu t'a fait venir ici. Mais demain, tu vas dormir dans quoi? Tu vas où demain? C'est pas manger et vivre, car demain nous mourrons. Ça, c'est le païen. Nous, on a un ciel à gagner. On a un ciel à gagner. Frère, il y a tellement de choses. Après, tu dois faire sortir ces choses de toi. Après. Après. Voyez,
Il dit, c'est ça le problème de l'église aujourd'hui, qui a ce message. Ah. Donc ici, le prophète même nous indexe. L'église qui a ce message avec un grand M. Ce n'est plus luthérien, ce n'est plus pentecôtiste, mais c'est toi. Il dit, c'est ça le problème de l'église aujourd'hui qui a ce message. Le message de l'Apocalypse 17. Le message de l'Apocalypse 17. Amen. Malachie 4. On s'arrête et on bavarde en chemin. On s'arrête et on bavarde en chemin. On regarde des petits rassemblements, des fêtes entre amis, des parties de cas, des pique-niques, des sacs de couture et ainsi de suite. Trop de mentalité est entrée. Voyez, dans la bonne expression du message béni. Il y a trop de mondanité sont entrés dans le message béni. J'espère que vous comprenez ceci. Amen. 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 C'est David Patibé. Amen. Voyez, trop de choses, trop de choses dans le message. On doit nettoyer cela. Ce matin, nettoie ta vie. Personne n'a voulu boire dans le vase sale, dans le vase qu'on ne voit pas à l'intérieur. Personne n'a voulu qu'on le serve dedans. Alors ce matin, quel vase tu présentes à Dieu? Quel vase tu lui présentes? Frère, quel vase tu lui présentes? Dans qu'est-ce que cet esprit? Écoutez le prophète. Amen. Verset 49 à 52:1. Il dit ceci. Quand on est en train de charger un wagon, il va examiner ce wagon de fond à comble. Ce wagon, c'est toi. Amen. C'est le vase que tu prends ce matin au Seigneur. Amen. Le Seigneur va examiner ça de fond à comble pour voir s'il doit descendre ou pas. Amen. L'inspecteur, et s'il trouve quelque chose de parlant qui risquerait de tomber et de se briser, ou quelque chose qui pourrait causer des dommages, il ne scellera pas ce wagon. Tant que tout dans ce wagon ne sera pas empilé comme il faut, tellement bien tassé et bien disposé en ordre, que les secours du voyage ne feront pas de mal au produit qui est à l'intérieur. C'est ça le problème. Il n'y a pas beaucoup de scellement parmi nous. Il y a trop de laisser aller en nous. Il y a quoi? Donc, ne regarde pas ton frère, ta soeur. Toi, chacun doit se regarder. Jeudi, on a vu être la lumière. On a vu cela. Et quand la lumière, on a vu la lumière dans une chambre, tous les bras, les cafards, tout ça doit sortir. Amen. Si on a vu la lumière dans ta vie, tous ces impôts doivent sortir. Amen. On a vu ça jeudi. Amen. Pour que tu sois une maison où Dieu peut rentrer. Amen. Mardi, on a entendu ici des gens qui ont des parties secrètes qui ne veulent pas que Dieu touche. Dans ma vie privée, dans ça, on confesse tout, mais il y a des choses là, on ne confesse pas. On est léger dans la confession pour certaines choses. Les anciens copines, les anciens copains, oh, cette soeur qui tue autour de moi, on ne veut pas briser ça. Parce qu'on a des yeux bien gratuités. Ou bien ce temps, on va se commander pas bien, mais on ne veut pas te la vérité. Pourquoi? On veut des privilèges. Frère, tu n'es pas dans la lumière. Mais la lumière doit faire sortir le faux. Amen. 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 Frère, ce matin, chacun doit aller à son hôtel. Tu dois aller à Dieu. Le vase que tu as prêté ce matin, c'est toi qui connais. Si tu prends un vase propre, il va remplir. Si ce matin, quelqu'un présente quelque chose de potable, Dieu va descendre. Amen.
n'est pas un menteur. Des gens qui chantent leur Dieu à tout bout de champ. Il y a trop de laisser aller en nous. Quand l'inspecteur fait son examen, qu'il inspecte votre vie pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser aller en vous. Un peu de laisser aller dans votre vie de prière. Notez bien. Parce que c'est dans ça qu'on est parti. Les gens qui ont dit prier, ils n'ont pas de quoi prier. C'est-à-dire que tu es vide jusqu'à vide. Le mot vide même n'a plus, tu ne sais pas quel que tu vas donner. Parce que toi-même, tu es tellement vide. Un peu de laisser aller dans la vie de prière. Un peu de laisser aller. Quand tu as ce bon, ce tempérament colérique, ça ne te laisse pas que c'est un démon. On laisse ça passer. On va jamais prier pour que tu ôtes ça de nous. Pour dire toi, démon de colère, je ne fais plus toi. Démon d'animosité, on ne va jamais dire ça. On dit non, ça, ça c'est rien. C'est rien. Là, tu peux en faire. C'est écrit, hein. Et c'est la Bible qui le dit. Tous ceux à qui demain ces choses n'iront pas au ciel. Et prendre un enlèvement, ce n'est pas préparé sur. Léger dans ta vie de prière, il n'y a pas de mort pour toi. Léger dans ceci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de enlèvement. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas pour faire sauter, c'est pour faire asseoir. Demain, quelqu'un va venir, il va parler du ministère, il va sauter. D'accord. Mais aujourd'hui, là, il faut aller au sous-sol. Mais moi, je vais me dire, tu vas sauter. Mais aujourd'hui, là, il n'y a pas sous. Amen. On doit être ici. Voilà. On doit aller au rocher. Amen. Un peu de laisser aller quand dans ce tempérament colérique. Un peu de laisser aller quand dans cette langue qui parle des autres. Amen. Tu ne peux pas t'empêcher de critiquer ton frère, ta soeur. Téléphone. Dans l'application, je vous dis le titre. Bavardage au téléphone. Bavardage au téléphone. Ça ne finit jamais. Tu vas passer une heure de temps devant quelqu'un. Tu parles de quoi? De Dieu ou de futilité? Hein? Vous les jeunes, vous passez du temps soit ça, des messages bizarres. Ne savez pas que ces messages-là enchaînent des choses. Quand tu commences à parler au téléphone et à échanger, l'amour que vous laissez, voyez, ça peut pas être innocent dans le premier temps, mais le temps traverse les mots. La soeur va pas lire le message, elle va plus dormir. Elle va commencer à s'imaginer plein de choses. Et puis après, moi je l'ai fait. Attends, est-ce que tu écris ce message à la soeur? Hein? Ah, soeur, je t'ai bien habillé. Pas de problème. Laissez-moi vous qualifier. Je dis, tu es bien habillé. Tu es mauvais, tu n'es pas bien beau, tu n'es pas bien, tu n'es pas bien habillé. Mais si un frère te dit, tu es bien habillé, il faut dire, c'est bon. Ça travaille la pensée des gens. Ce que dit là, vous pouvez pas dire, c'est faux. Les messages qu'on laisse, ce sont des messages qui travaillent. Tu ne peux pas avec quelqu'un. Mais le diable, ce message qui t'a laissé une fois, tu es là un peu déprimé, et puis tu es en train de ça, après tu tombes sur le message-là. Dis, mais attends, tu penses à réfléchir à ta du frère. Mais c'est là écrit ça, c'est écrit ça. Et puis toi, tu te sens bizarre. Tu penses à la place dans les émotions. Or, Branham dit, le Dieu de stage pour faire. Une femme ne doit pas éprouver des émotions de quelqu'un d'autre que ce soit avec quelqu'un qui n'est pas son mari. C'est l'ange qui l'a dit ou l'a pas dit. L'ange qui l'a dit ou l'a pas dit. Amen. Mais quand quelqu'un t'a même pas fait vœu, tu penses avoir des émotions comme ça, quelque chose ne va pas. Amen. Ça va induire des songes. Parce que dans l'atmosphère, le Dieu m'a dit. Dieu t'a rien dit. Amen. C'est pourquoi beaucoup font de phrases. Ah, Dieu m'a dit. Et là, quand tu viens par là, ils sont carrés. 2 ans, 3 ans après. Non, je ne suis plus d'accord. Tu es d'accord même. Tu es d'accord même. Tu es d'accord même.
Tu es d'accord? Ce que tu as signé là, tu vas le compter. Amen. Tu vas pas tirer le vin, mais quelqu'un ne va boire. Amen. Tu vas boire le propre vin. Amen. Tu vas te soulever toi-même. Amen. Quand on te disait non, tu as dit oui. Non, tu as dit oui. Non, tu as dit oui. Maintenant, ça va être oui, oui, oui. Amen. Jusqu'au bout. Amen. Amen. Il y a beaucoup qui ont fait ça. Et là, il y a du bizarre. À cause des fiançailles. Amen. Les anciens savent un peu de quoi je parle. Oh, non, non, Dieu m'a dit non, non, non. Et après, ça devient bizarre. La soeur ramasse tout, donne tout et puis pif. Puis le frère là. Tu cherches un moyen de te marier, jamais. On ne va pas te marier. Amen. Tu es déjà marié. Amen. 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 Écoutez les instructions. Ne réveillez pas l'amour avant le temps. Amen. Et moi je vous dis, je vous répète. Vous les jeunes qui ne travaillent pas, qui ont la maison de papa, c'est quelqu'un qui cherche. Amen. Et vous les soeurs, quelqu'un qui a pas élève. Amen. Dis mon ami, on n'est pas les copains copines. Amen. Les gars, travaillez dur. On va délivrer vos portables. Amen. 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 Voyez, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ce sont des démons. Ce sont des démons. Voyez, ce sont des démons. Frère, Dieu m'a fait vivre une expérience, j'ai dit ça à mes anciens. Amen. C'est là que j'ai su que ce sont des démons. Amen. Voyez, tu es là, ils envoient des messages, ils n'ont pas demandé, ils envoient des messages, des images. Tu veux souffrir, ça ne vient pas. Moi, je ne savais pas pour souffrir même. Voyez, j'ai demandé à mes filles, ça souffre. Sinon, il faut aller dans les paramètres et puis il faut faire ceci, les déviations. Voyez, je suis à des paramètres. Je vais à l'église, je vois, on partait prier. Des messages sortent. Il attend, c'est quoi ça? Il attend. Mais ça, si tu sois ma femme, ou bien un frère, prends mon message, voilà. Mon bonhomme, va te pasteur. Voilà. Amen. Donc j'ai jeté ça sur le ciel de la voiture. Amen. Je dis, Seigneur, toi-même, enlève ça. Amen. Ouais. Moi, je suis pris, ça vient. Ouais, c'est pas qu'on fait ça. Toi-même, enlève ça. Et puis elle est partie. C'était dans nos prières avec mon groupe de prières. Je n'ai plus dit, je n'ai rien dit. Hein. Elle est partie. On est parlé la bombardée 14 du matin. Quand on a fini, je suis mis. J'étais à Gonzague, je suis maintenant comme ça. Puis je me suis retrouvé à l'église ici. Là, dans mon bureau, il y avait un euro, il y avait un Félix, et puis j'étais assis dans mon fauteuil, j'étais là comme ça. Mon portable était là. Puis je vois une jeune fille, exactement l'image qui était sur mon portable là, qui est rentrée. Je dis, madame, tu veux pas ici? Il dit, on m'a appelé. Il dit, bon, qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Et dans le son, je me suis levé. Il dit, ah bon, donc c'est toi qui fais ces bêtises-là. Allez, passe ici. Quand il est venu se mettre à côté de moi. Il passe par le portable. Je veux tout ça. C'est deux doigts dans mon portable. Et sur lui. Il dit, nettoie. Il a nettoyé, il a fait nettoyer. Il est sorti. Je me suis levé. Il a dit, quoi ça? Je suis là, mon portable, tout a disparu. Voyez, frère, c'est pas comme ça. Je suis dans mon portable, tout a disparu jusqu'à aujourd'hui. Tout a disparu. C'est tout des esprits. Alors j'ai appelé les anciens, j'ai appelé les gars. Je venais, ça sortait, je suis que ça passe pas. J'ai laissé sur le portable, je dois me bien arriver ça là. Ben, ça là, je sais pas comment j'ai fait ça. Je passe le devant dessus. Voyez. Et quand la fille de prier était couché là, 5 minutes, voilà ce qui s'est passé, monsieur le ministre. Ce démon, lui-même, il a pris mon portable. C'est deux doigts. Je ne sais pas quoi il fait. Il dit, nettoie ça. Nettoie ça. La fille de doigt, il a disparu. Je me réveille. Je prends mon portable est propre. Je l'ai dit propre. Là, Dieu m'a fait ce message à cause de vous. Ce sont des démons. Amen. Quand vous parlez, écoutez.
Ce sont des démons. Amen. Ce sont des démons. Amen. Frère, on n'est pas à s'amuser. Même vos cordes doivent être dérivés. Amen. C'est vrai, c'est vrai que j'avais oublié. Mais ce n'est pas une application. Ma fille m'a dit non, faut aller dans la paramètre. Ce n'est pas permis d'assumer ça. Vous voyez? Ce n'est pas permis d'assumer ça. Mais Dieu lui-même, il a envoyé celui qui est venu. Le diable connaît. Vous parlez, le diable connaît chacun de vous. Amen. Le diable connaît de A à Z. Ne vous abusez pas. Amen. Amen. Donc Dieu l'a fait sortir. Lui-même, il a effacé ses propres traces. Jusqu'à aujourd'hui, mon portable est nickel. Rien. Comme ils font là, mais ça ne vient plus. Amen, ça ne vient plus. Frère, quand je prends mon téléphone, je suis à l'aise. Amen. 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 Et quand je veille, quand mes enfants prennent mon portable, je veille. Je n'ai pas qu'une poche quelque part. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Frère, débarrasse de tout cela. Si le vent n'est pas propre, Dieu ne rentrera pas en scène. Dieu ne rentrera pas en scène. Toutes les jalousies, trop de laisser aller quand tu as cette langue pour parler des choses, il ne servira jamais le wagon. Des habitudes sales, hein? Des habitudes sales, pornographie, propos de Dieu, des fautes impies, voyez. La masturbation, toutes ces choses-là. Frère, sortez de là. Tu as sorti de là. Si tu te masturbes, ce matin, la créature. On ne comprend pas, hein? Amen. C'est pas un problème. Les habitudes sales. Laisse la parole. Amen. Oui. Des frères qui aiment faire des actions aux soeurs, ça doit s'arrêter. C'est pas ce que les gens choisissent. Amen. Vous ne pouvez pas avoir une vie bizarre, une vie mondaine et venir jouer ici. Amen. Ça doit être sain. Ce sont des instruments consacrés à Dieu. Amen. 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 L'église a été consacrée. C'est pas sorcier. Il ne faut pas aller te prostituer et venir prendre tes salles à ta source. Ce n'est pas de Dieu. Amen. Il va te purifier. Amen. Oui. Amen. Nettoyons le cœur. Amen. Quel vase présentes-tu ce matin au Seigneur pour l'adoration? Amen. Frère. Des choses dégoûtantes. Je lis le prophète. Hein? C'est la qu'est-ce que le Saint-Esprit. Paragraphe 50. Il ne sera jamais le wagon. Des habitudes sales. Des choses dégoûtantes. Des pensées vulgaires, il ne peut pas serrer le wagon. Mais quand il a trouvé tout ça en place, tout à sa place, l'inspecteur, alors il le sert. Que quelqu'un ose donc ouvrir ce seau avant que le wagon ait atteint sa destination, l'endroit pour lequel il a été serré. Ne touchez pas avec moi. Amen. Quand Dieu t'a scellé, tu es un objet précieux. Amen. Celui qui te touche a fait à Dieu. Amen. C'est ça. Parce qu'ils sont là. Tu arrives à ce point de scellement. Et quand Dieu t'a scellé, Branham dit, garde à celui qui va te toucher. Ne touchez pas à ce qui est loin. Ne touchez pas à ces vases qui sont loin, qui sont sanctifiés, qui sont loin. Ne reste pas devant. Si quelqu'un te touche, tu es à ta scène. Amen. Amen. C'est pourquoi quand Dieu commence à bénir avec des dons de nous, attention. Si un vase, Dieu dit ce vase, tu parles dans ce vase-là, tu apprends Dieu. Amen. C'est pourquoi ne murmurez pas les uns contre les autres. Tu ne sais pas quel travail tu fais à ton frère ou ta soeur. Reste tranquille. Observe, prie. Amen. Ne touchez pas à mes points. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Car je vous dis qu'il vaudrait mieux pour vous qu'on vous suspende, qu'on suspende à votre cou une meule de moulin et qu'on vous jette au fond de la mer.
plutôt que de chercher à scandaliser ou à ébranler, ne serait-ce qu'un peu, le plus petit de ceux qui étaient scellés, c'est vraiment que le dit. Il dit, voyez-vous ce que j'avais dit? Il me pose la question, est-ce que vous voyez ce que j'avais dit? Il dit, il aurait fallu pour toi qu'on prenne brique, on l'attache à ton cou et qu'on te jette dans l'eau. C'est mieux pour toi. Si tu scandalises un enfant qui a le Saint-Esprit. Donc, avoir le Saint-Esprit, c'est très précieux. Et Dieu garde ses fils et ses filles. Peu importe ce qui va se passer, Dieu dit vengeance de tout. Amen. Frère, ce matin, j'ai plein de choses à dire. Alléluia. Alléluia. Tu dois faire sortir la mentalité de toi. Tu dois faire sortir la légèreté de toi. Tu dois faire sortir toutes ces faussetés de toi. Amen. Voyez, soyez de vrais croyants. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Décharge-toi. Amen. Ce matin, décharge-toi. Frère, pourquoi la guérison ne se fait pas? Pourquoi la délivrance n'a pas lieu? Mais nous avons un réconfort. Révélé enfant rebelle, je pardonnerai vos infidélités. Amen. C'est Dieu qui parle. Révélez, malgré tout ce qui a été dit, révélez ce matin, je pardonnerai vos infidélités. Amen. Reviens, mon frère. Reviens, ma soeur. Si tu ne veux pas nettoyer ce vase, demande à lui de dire, le Seigneur, tel que je viens à toi. Lave-moi. Lave-moi. Je reconnais que j'ai mal agi. Je reconnais que je suis loin de toi. Mais ce matin, sur ton invitation, je viens à toi. Amen. Frère, le calvaire doit avoir une situation pour toi. Amen. Le calvaire a payé le prix de tout, frère. Amen. Toutes les incapacités, le calvaire a payé cela. Amen. Toutes les faiblesses, le prix a été payé au calvaire. Amen. Comment on peut payer quelque chose pour toi et que tu n'as pas agi? Frère, ce n'est pas un homme qui a payé ce prix, c'est Dieu lui-même. Donc tu ne peux pas aller à Dieu et revendiquer les résultats de calvaire et il ne va pas te l'accorder. Il a payé le prix. Ce matin, si quelqu'un veut réellement une délivrance totale, Dieu lui accordera cela. Si tu veux te guérir, peu importe ton état, Dieu te guérira. Si tu es sorti de la situation, Dieu t'aidera. Amen. Si tu es le Saint-Esprit, alors Dieu te partage le Saint-Esprit. Amen. Mais ne cherche pas à rester dans le formalisme. Ne cherche pas à garder des anciennes habitudes. Débarrasse-toi de cela. Ces vases, ce matin, c'est chacun de vous. Est-ce que tu as pu t'identifier dans l'un de ces pots? Quel pot es-tu? Si tu es le pot sale, viens à Dieu. Il dit, revenez à moi. Et ce matin, revenons à Dieu. Amen. Pourquoi on ne voit pas les yeux de Dieu? Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Amoureux chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'il plaît que le mal mondial, ça ne fera aucun mal. Il sait, je ne sais pas. Toutes ces choses-là, où ça est? Voici les choses que j'ai fait, on les ferait aussi, mais en plus grand nombre. Où ça est? Où sont les dons de l'esprit de l'église? Des dons authentiques? Où ça est? Où sont ces dons de miracle? Où ça est? On a quelques gouttes. Ce n'est pas des gouttes que Dieu a promis, mais une pluie abondante. Amen. Chacun doit être ce vase à la chaîne haute. 100 vœux ont été remplis. Après 3000,
soit ajouté aux 120. 4000, 5000. Et ça continue dans aujourd'hui. Pourquoi dans un rassemblement d'environ 200, 300 personnes, on ne peut pas avoir des baptêmes? Est-ce que Dieu ment? Je vous pose la question. Est-ce que Dieu ment? Non. Est-ce que Dieu ment? Non. Mais pourquoi on ne voit pas sa main? Chacun doit rentrer en lui-même. Quel vase es-tu? Que présentes-tu à Dieu pour qu'il s'en serve? Est-ce qu'il est content de toi? Est-ce qu'il peut utiliser? Pourquoi ne pas commencer par le commencement? Dis, Seigneur, sois miséricordieux. Ce matin, je viens à toi. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes légèretés. Je reconnais tout ceci. Ce qui a été dit, je me suis vu dedans. Mais si c'est un seul élément, c'est suffisant pour aller à l'hôtel. Tu n'as pas besoin d'avoir tout ça. Un seul élément est suffisant pour aller à l'hôtel. Un seul élément est suffisant. On a tous besoin de nettoyage. Frère, on a tous besoin de nettoyage. Sinon, un des seuls jours, c'est là que tu vas pleurer. Tu vas pleurer aujourd'hui, tu vas pleurer demain. Quand tu te rendras compte que les prophéties sont bien accomplies. Mais n'est-il pas écrit? C'est déjà trop tard. Trop tard sera ton cri. Jésus est dans les dames à dire. Au moment où il était là, tu as négligé. Tu n'as pas pris les choses au sérieux. Tu as préféré te concentrer sur ces choses qui ne peuvent pas t'aider demain. Et tu as négligé la vie de prière. Tu as négligé la consécration qui va descendre de cet esprit. Tu as négligé, voyez, de t'accrocher à la chose essentielle. Il dit, on passe trop peu de temps pour les récompenses éternelles. Tu vas te lever. Alléluia. Quand on parle de Dieu, ça le dit aux gens. Le plaisir, le plaisir, le plaisir. La séduction est grande, mais Dieu te offre quelque chose pour te placer au-dessus de la séduction. À quoi te sert d'avoir une vie impure, de marcher dans la tutelle, vivre dans l'impureté, dans l'immoralité? C'est le principe de la chair. Ça t'avance où? Demain, tu vas regretter amèrement. Pourquoi ne pas payer le prix? Crie à Dieu, viens-moi à l'aide. Secoue-moi, libère-moi, délivre-moi, jusqu'à ce que tu naisses. Il y a plus de joie dans Joseph, frère. Tu es marié et tu regardes une femme. Tu es marié, tu regardes un garçon. C'est une vie de prostitution. Tu n'es pas marié, tu regardes une fille. C'est une vie d'adultère, d'impureté, d'immoralité. Ça t'amènera où demain? Ces choses sont dans le monde. Dieu les a fait sortir du monde. Maintenant, laissons Dieu faire sortir le monde de nous. Laissons-le appuyer notre femme. Laissons-le appuyer notre mari. Laissons-le appuyer notre crâne. Laissons-le nous passer. Nos mémoires. Dis Seigneur, me voici. Tout de légèreté, tu manques dans les moments. Tout de passivité, tu manques dans les moments. Tu vas crier à lui. Il ne faut pas faire de manière. On ne veut pas prier chez vous ici. On veut une agonie jusqu'à mourir pour le vivre. Je veux le vrai Saint-Esprit. Je veux cette circoncision du cœur. Il y a des gens, ça fait 10 ans dans l'église, on les voit, on dit, oh, ça, ce sont des classés, pour être sur la pourriture. Répare-toi! Répare-toi, sœur! Dieu te voit comment ce matin. C'est pas de la sécurité que tu regardes de l'intérieur.
des choses qui sont faites dans le secret, on refuse de confesser. Ça t'amènera où? En affaire. Réponds-toi, frère. Réponds-toi, soeur. Tu as besoin d'une vraie circoncision. On a besoin d'une vraie Saint-Esprit. Amen. Un hôtel rempli de larmes. Amen. Rempli de cris, de détresse. C'est ce qu'on a pu faire ce matin. Quel vase tu présentes à Dieu ce matin? Vas-tu remplir cette vase-là? À ses cieux, comment tu vas-tu? Rate à toi-même. Je promets que Dieu m'approuve. Que les hommes m'approuvent. Frère, comment vas-tu détruire la force que tu as mis en toi? Dans les petits. Oh, tu as besoin de toi sur ce missionnaire. Il a besoin des deux des cœurs purs. Soeur, tu as besoin de toi pur. Peut-être que tu te suis, peut-être que tu gardes quelque part. Tu te suis. Dieu va pas te laisser impuni. Pourquoi ne pas te réaliser ce matin? Quelle vase tu présentes-tu? Quelle vase tu présentes-tu? Aujourd'hui, il y a pas de repentance sincère. On a juste été avec Dieu, même avec nous-mêmes. Reste à toi, mon frère. Reste à toi-même. Yeah,
Oh mes amis, c'est dans un ciel qu'on doit aller. Le propriétaire du ciel a des exigences. On ne parle pas de ce village. On va au ciel, bien propriétaire. Tu mets ta pierre. Je vais pas te faire de la promesse jusqu'à lui. Mais c'est plus qu'important. Plus que c'est loin. Je veux parler par toi. Pourquoi tu fais ma bouche? Let's go.
Ce matin, les possibilités de la terre. Thank you.